Quel plaisir. Merde. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette troisième édition des Samsung Battle. C'est la troisième session qualificative pour les Samsung Battle. À ma droite, la team Xary. Les vainqueurs. Xary et Hugo. Les rois du PAF. Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Oui. Oui, bah, on est en terrain conquis, on est tenant du titre, quoi. On rappelle qu'il y a 1-0 pour le moment pour la team Xary. Oui. Puis techniquement, on a aussi gagné la première semaine où il n'y avait pas de points, mais bon. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc il y a 2-0. Voilà. On va régler ça très vite. À ma gauche, du coup, la team Genius avec Genius et Max Hildan. Comment ça va, les gars? La team Gériatrie en face. Mais pourquoi? T'as pris un des meilleurs joueurs de jeux vidéo en plus. Il est top 1 Melun. Je suis solide. Content d'être là. Avec ces messieurs à la fois filandreux et plein de bravoure. Content de recevoir Hugo Délire et, Hugo Délire et Max Hildan. Non, ce soir, c'est pour moi. Je l'ai dit avant, je le sens, je me suis réveillé, tu vois, content. Il va falloir, hein, parce que là, si tu perds, c'est perdu. Ouais. Logiquement, c'est pas pour moi. Logiquement, c'est pas pour moi. Max Hildan, du coup, et Hugo, est-ce que vous avez déjà joué sur mobile, vous? Oui, déjà joué, déjà adopté tous les jours. Tous les jeux. C'est tu joues à quoi? Je me lève, c'est directement un top 1 qui se. L'abus est total. Non, mais en vrai, oui, si, tout. Enfin, je pense que en vrai, dans notre milieu, personne n'a jamais joué sur mobile, quoi. Ouais, mais après, il y a joué sur mobile et joué à Fortnite. Est-ce que tu as déjà joué à Fortnite sur mobile? Oui, bien sûr. Ouais. Je suis pas main joueur mobile, mais en tout cas, j'ai joué sur mobile. T'as déjà testé, quoi. Ouais, bien sûr. Et là, tu vas être ébouriffé. Là, je sens que ça va être une toute nouvelle expérience de jeu pour moi, que ça. Eh oui, mon fat. Toi, Max Hildan, du coup? Oui, j'ai déjà joué effectivement à Fortnite sur mobile. Après, c'est pas spécialement effectivement ma catégorie reine, on peut le dire. C'est chez toi. Mais ça reste. Après, t'as déjà joué sur mobile, mais est-ce que tu as déjà joué sur Samsung Galaxy S10 Plus? Je ne crois pas, Max, cette chance. Et voilà. Je ne crois pas. Mais là, ce soir. Et là, ta vie va changer ce soir. C'est ce soir que tout va se jouer. D'ailleurs, on est parti du coup pour les Samsung Battle. Qu'est-ce que les Samsung Battle? Les Samsung Battle, c'est une série de qualifications avec à chaque fois deux joueurs qui se qualifient, ouais, et qui remportent deux téléphones Samsung Galaxy S10 Plus. Ce soir, c'est les avant-dernières qualifs. Ouais. Il y a encore la semaine prochaine avant de se qualifier pour la grande finale le 29 juin. Ouais. La grande finale des Samsung Battle, ça va être absolument incroyable. Le 29 juin, les deux qui gagnent se qualifient pour Fort Adventure. Et ça, Fort Adventure, je peux pas trop en dire, mais ça va être absolument exceptionnel avec des invités exceptionnels. Exceptionnel. Avec des invités absolument hors normes, j'ai envie de te dire. Ouais, on ne peut pas dévoiler, mais qu'on dévoilera bientôt. Et Kev Adam sera de la part. Alors, on a l'idée. Il n'y a pas que les invités, on va faire plein de défis. On est en train d'écrire les défis, etc. Je peux vous dire que ça va être bien. Ça va être fou. Il faudra évidemment que Fortnite sera rediffusé, transmis en direct sur ES1. Et le but, évidemment, des Samsung Battle, c'est pour Xary et moi de recruter, de dénicher les deux meilleurs joueurs mobiles de Fortnite. Exactement, voilà. Et pour ça, on a concocté des petites maps. La toute première map, c'était une map, c'était un Death Run, la toute première semaine. Ouais, ensuite, on a fait du coup une map Aim. Et là, aujourd'hui, ça va être une map Escape Game. Est-ce que vous êtes bon dans tout ce qui est Escape Game? Est-ce que t'en as déjà fait en vrai ou pas? En vrai, ouais. En vrai, je suis chaud, mais sur Fortnite, j'en ai pas jamais. T'as de la jugeote, toi, donc ça. Ouais, de la jugeote, mais sur Fortnite. T'as de la jugeote. Non, sur Fortnite, j'en ai jamais fait. J'ai déjà revu le grand Valouz en fer, mais ouais. J'ai pas fait de. Moi, je préfère shooter. Moi, je suis un shooter. C'est vrai qu'en créatif, il y en a énormément des maps Escape. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait plus de joueurs sur le mode créatif que de joueurs sur le Battle Royale. Ah ouais, c'est tellement bien en même temps. Toi, t'en as déjà fait des Escape Games? J'en ai fait deux, une à Strasbourg-Saint-Denis. J'embrasse évidemment tous les Strasbourg. Ah, mais toi, tu parles en vrai, tu parles pas sur le. Non, jeu. Moi, je te parle en vrai. Ah, oui, okay. Et une en Corse, spécial Napoléon. C'est vrai? Ouais. Et t'as gagné ou pas? J'ai absolument perdu. Non, j'étais prêt, j'étais à 5 secondes. Bon, ça va. 15 secondes, c'est le mec, 15, peut-être 15 secondes. Le gros mytho ici, là. J'étais à 2 heures, j'étais à 1 heure en fait. Ça t'est jamais arrivé d'être vraiment à 2 secondes de la fin du Là, non, j'étais vraiment à une demi-heure. J'étais vraiment, j'avais de la marge, tu vois. 5 secondes, c'est très rare. 5 secondes, c'est très rare. Je te jure, ça m'est arrivé une fois, le seum est colossal. Quand vraiment, t'es là. C'est quoi, tu peux sortir de la pièce? Oui, j'ai la solution et. Trop tard. C'était quoi? C'était une bombe qui explose? C'était une escape où en fait tu es complètement dans le noir. Okay. Ça s'appelle le cube. Et t'es complètement dans le noir. Tu dois tout gérer avec le toucher, les odeurs, tout ça. Ah, c'est pas mal. Et c'est pas mal, mais du coup, bon voilà, c'était compliqué. J'étais que des gens qui avaient jamais fait d'escape. Et du coup, t'as des réflexes qui te viennent pas forcément comme ça. Donc c'est peut-être pas la meilleure escape à faire en premier. Ouais, c'est sûr. Et du coup, ouais, on a raté. Mais moi, ma première escape game, c'était en Amérique et je parle même pas anglais. J'étais largué, j'ai galéré, j'étais avec plein d'Américains, etc. C'était une galère. Tu parles pas anglais, c'est-à-dire? Du tout. Je parle pas anglais du tout, moi.
Moi, je suis nul en anglais. How do you do? How do you do? Je suis nul en anglais. Bref, on va passer à la map. Du coup, on va vous la présenter tout de suite. La map Escape Game, on a fait, voilà, j'ai fait une petite partie. Ouais. J'ai lancé la game. On va pouvoir la voir normalement à l'écran. Allez. Donc ça, ça va être l'escape game qu'on va faire aujourd'hui. Donc on peut voir. Alors, on a fait un mix. En fait, on a fait un escape game Death Run. Ça a l'air trop simple. Pas que ce soit trop facile non plus. Le but du jeu, on est dans un téléphone. On est dans un Galaxy S10 Plus. Oh, c'est trop stylé. Et il va falloir s'en sortir. Oh, j'aime bien. Ça va être trop bien. Ça va être horrible. Ça, c'est possible que sur le S10 Plus. Excuse-moi, Hugo. Ah, c'est joli en vrai. Hein. Ouais, franchement, les designs sont fous. C'est la synergie du coup qui a créé cette map là. Regarde bien, parce qu'on va devoir s'en dépatouiller de ça. Oh bah là, j'ai déjà tombé dans le jeu. Checkez bien ça. Là, le coup de pioche, il va arriver, direct. Ouais. Avec le fameux hashtag Do What You Can. Ouais, exactement. Franchement, c'est grave stylé de ouf. Et c'est hyper bien, gros. Tu reconnais le circuit évidemment, refroidissement, le liquide refroidissement qui est évidemment. Tu as un temps de référencement ou alors J'ai un temps de référence, mais après. Après voilà, c'est des joueurs qui savent vraiment bien jouer, etc. Ils font en général entre 4 et 6 minutes. Okay. Des joueurs qui sont un petit peu moins à l'aise, ils vont faire une trentaine de minutes. Okay. On va être 35. Ça 35. Va de 10 minutes à plus. Putain, j'ai l'impression qu'on voit le lecteur d'empreintes. Oh. Quoi Allez. Alors, ce passage-là, je pense que je vais m'y reprendre à 2-3 fois. Quoi. Alors, ok, c'est la ventouse. Je m'y connais. Très bien, c'est pour nous. C'est pour nous. Ça va être un GG. Et voilà. Et là, c'est la fin. Mais gros, et c'est quoi ça? Ok, les records. Par contre, la map est trop bien, mais j'ai pas le niveau. Les records vont tomber ici. Après, ça paraît impressionnant, mais ça va. Vous allez voir, ça va. Il y a juste des petits passages. Est-ce qu'on a nos stars un petit peu habituées, les Neymar, les Chase-Up? J'ai entendu dire qu'on avait un push-way, qu'on a pu voir les autres semaines. On a un push-way. Et on a un bon joueur mobile que je connais, qui fait partie de la synergie. Alors, il n'a pas créé la map, rassurez-vous, mais il s'y connaît bien. Non, mais c'était la blague Neymar-Messi. Ah, ok, j'ai rigolé. J'avais pas capté. Du coup, on rappelle, ils vont tester un petit peu, les deux teams vont tester les maps, et juste après, on verra les professionnels jouer dessus. Et à gagner, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a deux téléphones Samsung Galaxy S10 Plus. J'ai pas dit 1 ni 3, j'ai dit 10. 10, bien joué, 2 ou 10, ça dépend de l'argent. Donc, 2 à gagner ce soir, donc Max. Eh ben, un pour moi, un pour Hugo. Voilà. Parfait. Ou deux pour moi. En vrai, si vous faites un meilleur temps que les pros, je pense qu'on peut vous les donner. Mais il n'y a pas de risque. Parce qu'on les a vus les autres semaines. À chaque fois, ils arrivaient à trouver des raccourcis que même nous, on n'avait pas prévu ça quand on joue. On se dit, finalement, on n'est pas mauvais. On voit les pros, on fait. Moi, ce qui m'a choqué, c'était à Lame quand il passait sans prendre le checkpoint pour garder les armes et pour pouvoir tirer avec sur les autres cibles. En tous les cas, c'était fou. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement du coup au test de la map. C'est parti. Dis-moi. Si je peux souhaiter déjà bonne chance. Attends, mais on lance en même temps. Non. Alors, vous allez jouer ensemble dans la même map. Ah. Comme ça, vous allez pouvoir. Alors, je sais pas si vous pouvez vous tuer ou pas. Je sais pas si on n'autorise pas la pioche. On autorise ou pas? Non. La pioche, une fois. La condition. Non, on n'autorise pas. Alors, évidemment, vous avez un téléphone par équipe. Comme ça, il y a le cerveau et il y a celui qui met en application. Ah, ok, je suis le cerveau. Minus et cortex d'un côté. Hop, c'est le cerveau. Non, prends les doigts. Du coup, c'est Maxime Dan, le cerveau. Qui est le cerveau chez vous? On verra, on fera peut-être les deux. Non, Xaris, c'est plutôt le cerveau, mais. Ok, du coup, est-ce que vous êtes dans la map? On n'est pas dans la map là, moi je suis dans le lobby avec. C'est en train de se lancer? J'ai l'impression que je suis pas dans le bon groupe. T'en sors? Ouais, ouais, c'est pour être sûr. Ok, attends, du coup, on est en train de faire. C'est pour être sûr. Et là, c'est la bonne map. Ça, on peut pas... Alors, est-ce que vous avez modifié vos touches un petit peu? J'ai juste mis le jump à droite, tu sais, comme d'habitude. Ouais, tu le mets en gros toi? Je le mets en moyen, je mets jump et tir. Mais bon, le tir, il n'y a pas. Ah, quand même, le tir, il y a la ventouse. Ah oui, il y a la ventouse. Ah oui, c'est vrai. Ouais, jump. Ouais, je la connais. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Je la connais, la galère. La ventouse. Xari, il y a la ventouse. Et il va falloir tirer, il va falloir viser. C'est vrai que c'est pas si évident que ça au final. Et celle-là, rapide. J'ai pas bien compris en regardant la vidéo tout à l'heure. En quoi c'était une escape game? J'avais plus l'impression que c'était une map de plateforme. Tu vois. Voilà, ça a l'air d'être ou un death run, mais c'est vrai qu'il y a des petits passages à trouver et tu verras, c'est ça qui rend. Absolument DSL, mais je ne sais absolument pas où est la map dans le lobby. Alors normalement. Tac, ils sont dedans. Au pire, passe-moi le téléphone, comme ça je te la mets. Ouais, vas-y, mais mec, fais ta T'as mis tes touches et tout? T'as déjà tout réglé? Ouais, nous on a nos touches. Tout est bindé, ouais. Tout est bindé. Parce que je suis dans le groupe, mais. Tout est bindé. Je suis pas dans la game, je crois. Alors, je suis en train de checker en même temps.
Ça va être absolument incroyable. Je vous dis tout de suite. Maxi, dernier. T'es pour moi que tu es prêt. Ah, moi je suis caché. Ils l'ont caché. Mais c'est bon, mon cerveau est là. Peux-tu toi aussi me. Mettre la map, elle est toute à droite. Elle est toute à droite. Ouais. Écoute. Alors attends. Ah oui, toi t'as des touches. Et comment tu fais pour tourner? Laisse-toi. Ah, ok. Ah ouais, toi tes touches elles sont bizarres. Hein. Bah, j'ai mis jump. Elles sont particulières. Max, me regarde. J'ai joué tout à l'heure, j'étais en. Tu sais, des fois, ouais, je veux juste tourner la cam. Ta perso se met à sauter. Je fais, mais bon, c'est ça, pas. Moi j'ai voulu tourner. Ah, je sais pas comment il fait. Bon, tu sais quoi, parce que toi le bouton saut, tu le mets à gauche. Le bouton saut, je le mets plus à droite. Ouais, je mais plus moi. Je tirer à gauche, moi. Ouais, mais en mode. Mais comme t'es à l'aise, c'est mais toi. Mais toi, comme t'es voilà, bien, toi. Non, mais moi, attends, tu sais quoi, je vais juste le bouger un peu. Va à droite. Voilà, histoire que tu voilà, puisses. Voilà, histoire qu'on se sente un peu à l'aise quand même. Ouais, parce que là, c'est compliqué. Hein. Voilà. C'est la Xarim, c'est bon. Gros, ouais, c'est bon, nous, on est ready. Ah, on attend déjà la fin. Tout le monde est OK. Attends. C'est bon, non? Ouais, non, c'est bon. On attend juste que le jeu se lance, tranquille. Il n'y a plus qu'à lancer le jeu, parce que je vous propose, c'est qu'on parte directement. Let's go. Attention, le premier qui sort du téléphone. Team Xarai. Ok, tu me dis, hein. Je suis avec toi. Remporte la partie. Donc là, normalement, hop, on est en train gauche, de quitter le créatif et de revenir dessus. Alors là, va falloir relancer du coup pour qu'on puisse être en mode spec. Monte là-dessus et qu'après. Alors là, on peut pas vous spec. Est-ce que vous pouvez revenir au début? Non. Ah, non. J'ai réussi le saut, je suis désolé, je stoppe. Ah ouais, j'ai un. Est-ce qu'il y a un temps en haut à gauche? J'ai les premiers joueurs à faire, je suis bloqué. Ah, il est bloqué. Oui, il y a un temps. 11:41. Il est bloqué. Je fais retourner à l'accueil. Non, reste là. Ah, mais il est bloqué. Je suis Keblo. Je retourne au début. Mais t'es Keblo, je suis Keblo. Non, comment t'es pas Keblo, c'est impossible. Je te jure, il... Je te jure. Non, saute, baisse-toi. Ouais, mais non. Il est bloqué. Où voilà, ah, y a énorme. Attends. Allez, énorme Hugo Delix. Je te jure, il bouge plus. Attends, bah oui, bah au pire, tue-le. Tue-le, il va te tuer. Tue-moi, voilà, tue-moi. Et voilà. Voilà, comme allez, ça, vous redémarrez tous les deux au début. Et 1-0. Alors normalement, vous avez 12. Bah, du coup, vous avez plus que 11 minutes pour terminer la map. Ok, on y va, on fonce. Si jamais elle est pas finie, c'est mort. Attends, mais. On nous spectre là, voilà, c'est bon. C'est parti, la game est lancée. Il est encore bloqué, putain. On est sur Xari. Il est encore bloqué. Et encore tu bloqué. Passes par où? Non, mais gros, c'est pas de notre faute. Mais arrête là, d'aller à cet endroit-là. Bah, au pire, tu fais mais c'est par là qu'il faut aller pour sauter. Non. En vrai, non. Alors, excusez-moi, il y a un peu de triche, mais après, je vas-y. Suis pas contre. T'inquiète. Pas contre donner de l'avantage. Ça va le faire. Attends, regarde, vas-y. Là, je vais là. Ensuite, là. Là, on est sur Xari, nous. Voilà, c'est bien ça. Ok. On est à gauche. Au-dessus, je pense. Là, je vais à gauche. Gauche. Il faut que tu montes là-dessus. T'attendre. Si. Mais non, il faut d'abord que je saute sur le. Attends, derrière toi. Si, d'abord, je saute là. Bah, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Oui, mais va pas dans le trou. Voilà. Et là. Voilà. Xari, t'as mis ton petit couteau fourchette. Faire l'effort. Ouais. Mais au lieu de prendre un angle trop anguleux, plus. Ah non, faut pas que je saute sur le trou. Donc là, en fait, t'es dans la première partie du coup de cette escape game. Mais t'as sur le. Oh putain, t'es encore bloqué. Mais voilà, ça me. Attends, t'es sûr qu'il est encore bloqué? Voilà, hésite pas à nous dire, hein, tu vois. Attends, là, je fais réapparaître. En fait, je fais bugger. J'ai trouvé un bug. En fait, si tu vas entre deux plaques, ça bug. Voilà, c'est ça. En fait, ça, là, c'est ça. Voilà. Chaque fois, il tombe entre deux plaques. Voilà. Alors, ah oui, quand tu sautes, c'est ça. C'est ouais, c'est ça. C'est les... ça. Ok, j'ai compris. C'est bon, je vais rattraper. Ça va pas mal. On est bien parti, Max. Ouais, c'est chaud. Attention. Alors, vas-y, monte là-dessus. Et là, tout droit. Peut-être. Voilà. Et là, vas-y, à droite. À droite, ouais. T'accroupis, tu vas à droite. Non, t'as pas besoin de sauter. C'est en bas. On est en train de trahir des deux côtés, là. Vas-y, gauche. Essaye de prendre un angle comme ça. Je suis pas sûr. Mais si. Non, pas. Voilà. Voilà. Et là, c'est naze. C'est dur, bon. C'est dur. Vas-y, essaye, tu vas voir. C'est dur. Après, si ça se trouve, c'est pas pareil. Ah ouais, c'est ça, en fait. Après, là, on a plus le chemin parce qu'on l'a pas vu dans la vidéo. Je vous donne un indice à tous. Observez bien en hauteur. C'est ça. Je pense que c'est pas là, en fait. Non, tu vois, c'est. Observez bien en hauteur. Ouais, vous regardez. Observez. Observez un petit peu la map. Suis câble rouge. Observez sur quoi vous pouvez aller, sur attends, quoi vous je pouvez vois, pas je aller. Vois quel écran là? Là c'est okay. Xari. Ah bah non, du coup j'ai pas envie de l'aider. Après, non, c'est sûr que c'est et pas. Arrête de me pousser toi. Attends, pas non, pardon, non mais je fais pas exprès. Par contre là, non. C'est vengeance immédiate. Non mais je fais pas exprès. Ça va, on perd du temps là. Je fais pas exprès, mais il a 45 ans en face. On s'en fout. Qui s'y trouve en Magdalie. 45 ans, mais il est 45 ans. Vas-y, perd du temps, je vous le dis, c'est pas pareil. C'est pas là. Ok, c'est pas pareil. Mais non, on est pas pareil. Il va falloir sûrement que tu actives des trucs pour que les câbles s'allument ou je ne sais quoi. À mon avis, il faut activer des trucs. C'est des boutons. Alors, si vous voulez un conseil, on peut pas encore sur Fortnite désactiver des trucs. Quoi? Non. Un effort épique là. Voilà. Vous êtes déjà créé là, vous êtes pas loin. Voilà, là, vous êtes tous les deux pas loin de trouver le bon passage. Voilà. Je vous en dis pas plus parce qu'après, je vais trop vous aider. Dans 45 secondes, je vous donne la réponse. C'est bon, je l'ai. Du coup, faut repasser là. Ah, c'est pas bête. Non, c'est pas là. Non. De monter là. Il y a l'idée. Il faut que je monte là et il faut que j'aille là. Oui, mais tu peux pas. D'ici, tu peux pas. Pourquoi je dis si je peux pas? Parce que Xari, dans la démo, tout à l'heure qu'on avait en vidéo, il passait en dessous. Regarde, Xari, s'il fait. Trichez, les gars, trichez. Ok, je l'ai où? Ah ouais, je l'ai. Ouais, c'est ça qu'il fait. Oui, bah ça d'accord. Voilà. Ouais. Vous en êtes où? Parfait. Vous êtes déjà passé là? Voilà, bah c'est bon, on est au même endroit. Ok. Voilà, on va faire un effort parce que c'est chiant. Donc là, par contre, ils ont déjà trouvé le bon chemin, bien joué.
Les touches, en fait, c'est de la merde. Maintenant, c'est toute la partie Death Run. Oh, c'est chaud. Putain, merde. C'est une mauvaise idée de regarder en bas. Si, pas calculer les distances. Les pros font ça. C'est vrai, en fait. En fait, alors, ça, ouais, tu peux pas passer, peux pas passer au milieu. Faut passer du côté, ouais. Parce qu'en général, bien, quand tu passes au milieu, ça a tendance à faire bugger un petit peu le truc. Après, tu peux en soi, oui, mais si, ça peut. Attention, ils inversent déjà. Moi, je vais tester les coéquipiers. Pourquoi il y a un timer pour... Non, non, mais en gros, là, il reste 7 minutes 40. Oui. Attends. Et vous êtes éliminé. Je te regarde là. Bien sûr qu'on est éliminé. T'as ici. Mets-toi bien à droite. On est bien, mon royal. T'inquiète pas. On découvre, on se régale. Mais en vrai, vous avez déjà trouvé le premier chemin. C'est pas mal. Il y en a, ils mettaient 5-6 minutes déjà à trouver ce chemin-là. Ouais, j'ai bien compris, t'inquiète, c'est juste que, bon... Évidemment, après, on vous rappelle qu'on regardera des joueurs mobiles. Habitués, des joueurs habitués. Des joueurs pro qui sont habitués, bien entendu. Ils peuvent aller jusqu'au bout. Ils ont l'habitude des dessins et ils ont pu s'entraîner toute la partie. Ça me stresse. My bad. En fait, il ne faut surtout pas bum sur une texture. Ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Il faut aller là. J'ai bien compris, j'ai toujours pas compris le principe, lui. Voilà. Ok. Vas-y, non, je les attends, sur le c'est là que tu te dis sur la petite vidéo d'avant, c'était plus simple. Hein. Oui, carrément. Voilà, vas-y. Bon, souvent. Tu le. Ah oui, suive, attention. Qui vas-y, démarre-toi maintenant, j'ai fait plus dur. Attends, mais tu te fous ma gueule. Il est devant. Tu fais tout le taf. La pression, elle est pour toi. Ah. T'es nul à chier. Qui va bien te m'écouter pareil. Qu'est-ce que tu veux que je gagne des téléphones comme ça, là? Oh, file-moi mon S10 Plus. Je vais t'en offrir. Si tu perds, tu me dois hésiter. Regarde la maîtrise. Regarde un peu la maîtrise. Qu'est-ce que tu. Bah, mais aussi, tu cries. Aucun effort. Tu cries aussi. Tu cries. Non, mais t'inquiète pas. J'ai l'impression que Hugo est plutôt à l'aise. Hein, je peux te montrer des jeux de combat, je connais pas. Il me tape encore dessus. Mais te tape pas. C'est juste qu'il appuie sur l'écran et ça tape en fait. En fait, j'ai des touches de merde. En fait, c'est mes touches, c'est pour ça que je perds. T'as mal mis tes touches. Fais un effort, faut pas que t'ailles sur les trucs noirs. C'est dur en vrai. Ouais, c'est pas évident. C'est vraiment. Ça n'intéresse personne. Hop. Allez, voilà. C'est pour ça que là, je suis curieux de voir les... Voilà, sur la zone verte, Ouais. Oui, tu peux faire ça. Ah, pas mal. Non, mais là, c'est nous, hein, au cas où. Là, c'est Xari, là. Oui, tu peux faire ça, Hugo. Hugo, c'est bien joué. Allez, vas-y. Oh non, c'est un peu trop loin. Ils sont nuls, on peut y arriver. Ils galèrent sur la première étape. Vas-y, on retourne. Pourquoi eux, c'est allumé? Ils me bloquent. Comment ça? Bah, nous, c'est pas allumé. Oui, c'est pas, après, c'est pas grave. Mais c'est du design. Mais il a des pouces qui font combien de diamètre? En vrai, je pense qu'ils ont dû activer les ombres ou quelque chose comme ça. Voilà. Attention. Petit saut. Okay. Tranquille. Vrai, attends, Hugo, tiens le truc, hein. Ouais. Oui, voilà, c'est passé. Alors là, je te donne. Mais t'as vu que je saute, t'es mauvais, c'est doucement. Voilà. Reste bien accroupillé, là, tu vas doucement, léger. Faut que ça empêche pas de te donner de l'amour, hein. Mais. Tu sais quoi, j'aurais dû mettre mes. Faut surtout pas tomber ici. Allez, je te montre. Allez. Ça. C'est validé. C'est un des endroits les plus durs. Je pense qu'avec la pression, les joueurs pros vont galérer ici. Avec du stress, t'as pas envie de tomber. C'est bon. Tu le fais. Vas-y, monte là. Pourquoi il y a un truc qui fait de la lumière. Ça, c'est pour de l'autre côté, en fait, si tu passes à un endroit, tu meurs. Mais ça, t'inquiète, tu vas pas mourir. Pourquoi ça s'est allumé? T'inquiète, c'est rien. Longe bien à gauche. Longe bien. Colle le mur. Maintenant, je donnerai évidemment les mêmes indications à Team Genius. Bien sûr, pas de favoritisme. Tu tombes sur le tuyau à droite. À droite, tu tombes là? Ouais, tu tombes dessus, voilà. Tu cours tout droit. Ok, là, fais gaffe. Hein. Ouais, tombe pas. Hein. Là, tu vas sur le tuyau qui est au-dessus de toi. Là. Je viens le mur. Oh là là. Au-dessus? Ouais. Je viens le mur. Attends, là, je sais pas où. Faut attention. Aller. Pas tomber. En vrai, il gère. Hein. Oh, fais attention, hein, parce que là, si tu retombes, tu recommences tout. Hein. Ok, accroupis-toi pour assurer le truc. Tu vas tout droit. Oh là là. Regarde en bas si tu peux. Il m'a fait tellement peur. Hugo, fais pas de la merde, s'il te plaît. Descends là. Je fais ce que je peux. On a du sang royal. Non, il faut pas. En vrai, ça va là, hein. Pour le moment, vous êtes pas mal. C'est vous les premiers, il reste 4 minutes. Vas-y. Il y a le temps de le faire. Regarde à gauche. Va pas vite. Oh, vous êtes ex-aequo ? Bah oui. Attention. Vas-y, doucement. Du coup, là, faut aller sur le tuyau. Va à gauche. Ouais, t'es très bon. Allez, tout droit. Et ensuite, vous allez voir. Non, non, je peux le taper. Non, mais le tape pas. Il y a un petit passage sur la droite. J'ai envie de sauter par-dessus lui. Oh non ! Vas-y, ils ont perdu. Qui vient de tomber. Prends ton temps, ils ont perdu. Oh, c'est dommage. On va où après ? Calme-toi. Là, à droite. Remets-toi. Il a réussi. Hein. Non, pas à droite. Non, sur le rouge. Ouais. Rien à faire. Prends ton temps. Rien à faire à gauche. Ça va recommencer. Vous en êtes où, vous, Max Eldan? Là, j'y suis. Je suis dans la petite caisse. Ouais, c'est bon. Et voilà, nickel. Et là, tu continues et tu vas pouvoir prendre le premier checkpoint. Vas-y, va. C'est où? Là, tu suis le chemin. Mais par là où il y a l'écran jaune. Tu verras. En gros, quand tu sors, faut aller sur la droite. Il y a des flèches. Attention, je peux pas. J'ai des doigts. Il y a un endroit. Putain, mais ça va.
Est-ce que vous avez possibilité Checkpoint, c'est bon. Prends le prends. Ok, vous avez yes, yes, c'est validé. Vas-y, vas-y. Bah, prends les et ensuite, continue. Prends les quatre. Ah, c'est Headjump. Vas-y, les Headjump. C'est très bien qu'on puisse. C'est très dommage qu'on puisse pas switcher de. Ça, c'est simple. Tu vois que ma config, elle est bien. Et parce que voilà, vous pensiez que j'avais plus la merde. Mais attends, est-ce que vous avez moyen de vous suicider juste histoire qu'on ait la vue. Je sais pas comment on fait. Ça vous fait démarrer au début. Mais j'avais pas vu. T'as checkpoint. Comme ça, là, on arrive sur vous. On va pouvoir vous spectre. Je vais voir la sur du coup, moi. Oh non, malheureusement, on n'y est pas. Comment on est sur un admin qui a lancé. Il faudrait qu'il se suicide. Il y a un autre portable qui est connecté. C'est Pyro. Tu peux faire ça. Attends, prends l'élan. T'es bien, Maxime. Alors, normalement, là, on en a. T'es très bien. Vous en avez tout déjà. Vas-y. Indique-nous un petit peu. Je suis actuellement au niveau des plateformes qui s'allument, mon royaliste. Donc, à l'étape numéro 2, vous avez pris le premier checkpoint. On a fait checkpoint. Et là, on est au moment des plateformes qui s'allument. Maxildan, ici présent animateur de le stream, se débrouille incroyablement bien. Bonjour le chat, la famille. C'est lui qui a tout fait. Non, t'es tombé. Oui, j'ai tout fait. Mais c'est pas grave. Je vais y arriver. C'est toi qui as tout fait le premier passage. Le bon chemin, d'accord. Disons que je l'ai aiguillé. T'es la tête, t'es le cerveau du truc. Je suis le cerveau. Je l'ai un peu aiguillé, tu vois, et au final, c'est lui la main. Moi, c'est fini, les jeux vidéo, les gars. C'est lui le talent. Du coup, il vous reste plus que 2 minutes. Ah, ça va, mais pas la pression, royaliste. Et après, c'est celui qui a été le plus loin qui remporte la partie. Je suis obligé, gros. Non, tu peux pas aller là, tu peux aller là. Je pense que je vais là-bas. Si, va là-bas. Mais je pense que je peux pas atteindre celui-là. Si, tu peux, vas-y. Alors, faites attention, il y a une note musicale qui est plus basse que les autres. Genius, ouais. Il y a une note musicale qui est plus basse que les autres. Et si tu vas dessus, tu meurs. Il y a un piège. Donc faites attention. Eh oui, il faut toujours monter. Ouais, bien voilà. Faites attention. Merci. Je préfère prévenir. Ah ouais, t'es bon, tu fais bien. Tu peux me le dire. Plus simple. Dépêche-toi. Bah, de toute façon, il faut juste qu'on aille plus loin qu'eux, c'est ça. Ouais, mais bon. Il reste 2 minutes là. Ouais, mais là, vous en êtes où? Vous avez réussi à passer ou pas? On a rattrapé notre retard. C'est vrai? Vous êtes dans la boîte là. Ouais. C'est ok. Dans la boîte. Comment on fait? Impeccable. Bon, en attendant, on est en train de voir en même temps pour qu'on puisse avoir le gameplay. Il y a un checkpoint, non? Il y a un checkpoint après, ouais. Parce que malheureusement, quand on lance une map, par exemple, avec 3 joueurs, et ben, on peut tomber sur un autre joueur. Il est là. Merde. Du coup, ça fait bugger un petit peu le truc. C'est pas grave, il va paniquer. Donc, en attendant, on a les commandes tari de Maxime. On se touche et du coup, on se pousse. Comptez bien à combien de plaques musicales vous êtes. Comme ça, on fait vraiment celui qui a été le plus loin qui gagne. Ah, parce que le son compte. Non. Parce que là, je dis où j'entends. Regarde bien s'il y va. Ouais. Regarde là-bas, est-ce qu'il y va? Oh, dommage! Ça trahit d'abord. Il a le même souci. Bon, c'est ça là le piège. Il reste combien de temps sur le chrono? Il reste. Une minute et quelques, je crois. 43 secondes. Mais le problème, c'est qu'on est exactement au même endroit. Quoi. Alors, vas-y, tente. Ok. On fera tente celui qui allait le plus loin. Non, fais ça. On fait celui qui est le plus loin au moment où ça s'arrête. Oui, à la rigueur. Bah, viens, on reste là. Restez en vrai, restez là où vous le sentez le mieux. Ouais. Bah là, celui qui est le plus loin. Reste là. Techniquement, on est le loin là. Non, on va voir. On va vérifier à la fin. Oh, il a raison. Tu vois. Bah, là, qui est le plus loin pour le moment? C'est eux. Aïe. On peut le refaire. Tu restes là, on a gagné. Il reste combien de temps? 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Non. T'as pas le droit. On a été meilleur. 8. Bah non, on n'a pas été meilleur. On a été meilleur que 6. Oh, regardez, je vois 4 secondes. On a gagné. Il y a marqué Draw. Oui, mais il y a marqué Draw, c'est normal, ouais, c'est plus loin. Désolé. C'est la team qui était plus loin. Désolé les nazes. Vous êtes allés vraiment. Vous êtes à 5 secondes tous les deux réussi à aller au premier checkpoint. Ouais. Vous étiez sauf qu'on est allé plus vite après parce qu'au niveau des sauts, bah voilà, je suis juste le boss. T'as réussi à passer les notes musicales? Très déçu. Tout ça, nous a dit la règle, du coup, on s'est arrêté. En vrai, c'est net parce qu'après, il te restait plus qu'une ligne droite avec le grappin. On aurait réussi, je la referai en fin d'émission. Si on a le grappin en plus. Si on a le temps, on la refait en fin d'émission. C'est très deck qu'on n'aille pas au bout, quoi. Ouais, après, il y a un temps nul. Il y a un temps. Le truc, c'est que sinon, elle dure 4 heures. 5 secondes près, c'était un beau défi. C'était un beau défi. Beau défi du samedi. Ce qui est bien, c'est qu'on les a un peu laissés croire. Et puis à la fin, j'ai juste montré. C'est vrai qu'au début vous étiez mal parti, vous avez pris les devants. À 5 secondes ils ont paniqué de ouf. Après, malheureusement, t'as pas pu. Là, t'es en train de me dire que je vais plus toucher l'écran de toute l'émission. Si, tu pourras. On va se refaire. Il y a moins de frustration. Parce que là, maintenant, vous connaissez le chemin, vous allez aller plus vite. Et puis, vu qu'on n'a pas pu vous spec. Tellement vite après. Je pense que vu qu'on n'a pas pu vous spec, on vous specera après. On fera une revanche. Genre, bon plaisir. On fera une revanche. Ça dépend de si les joueurs sont. Et sinon, vous en avez pensé quoi de la map? Moi, j'aime bien. Elle est grave stylée. C'est super bien fait, quoi. Non, franchement, c'est stylé. Non, c'est vraiment chouette. Et par exemple, Maxildan, qui a jamais joué de trop sur un téléphone, sur Fortnite, du moins. T'en as pensé quoi sur téléphone? Ça va, c'est maniable? Oui, c'est maniable. Après, forcément, il faut prendre l'habitude.
C'est sûr. Voilà, faut prendre l'habitude. C'est vrai que moi j'ai plus l'habitude d'avoir des joysticks, tout comme ça. Mais après là, l'écran est quand même. Il est assez grand. On joue pas sur un tout petit truc, donc ça. Oui, c'est ça. Il y a de la place, quoi. Il y a de la place. Mais en général, c'est vrai que les joueurs manettes, ils s'habituent plus vite à jouer sur téléphone que des joueurs clavier souris, par exemple. Je me suis vite habitué, mais lui qui a jamais joué, il a mieux joué que moi. Tu vois. Et ça, ça fait plaisir. Il est déçu. Après, en vrai, je joue vraiment souvent sur mobile. C'est juste que je joue pas souvent Fortnite, mais je joue souvent sur mobile. Donc du coup, ça va. J'ai pris le truc. Après, j'imagine que tu peux connecter une manette au USB. Alors, en fait, tu peux connecter des petits capteurs qui font comme si tu avais une manette avec le téléphone. Ça, c'est côté, ouais. Tu peux le faire avec un petit joystick que tu mets sur l'écran en ventouse. Bon, l'écran assez large pour jouer, encore une fois, le système d'interface, même si moi-même, je n'ai pas placé mes boutons comme il se doit. Je sais que les joueurs pros, par exemple, ils mettent leurs doigts comme ça et jouent avec aussi les index sur le téléphone. Ils jouent en clos. Ils jouent en clos, exactement. On va voir, là, comment ils se débrouillent. Bon, du coup, juste avant de passer au quart de finale, du coup, qu'on commence la compétition, on a vu les amateurs, on va voir les professionnels maintenant. On va rappeler un petit peu ce qu'il y a à gagner. Qu'est-ce que les Samsung Battle, Genius? Samsung Battle, c'est une série de qualifications online avec à chaque fois deux téléphones Samsung Galaxy S10 Plus à gagner. Oh et oui, deux, j'ai bien dit deux. Et pas un. Et pas un, deux. Et aujourd'hui, c'est l'avant-dernière soirée de qualification parce que la grande finale, ce sera le 29 juin. Oui, et allô, Genius, allô. Faites le virement. Oui, allez. Allô. Bonjour, vous m'envoyez ravi. Est-ce que tu m'entends bien en travers de ce Samsung Galaxy S10 Plus? Zary, qui est un frère de Samsung. Et d'ailleurs, on peut se recharger. Je rappelle, il y a un système de recharge à deux téléphones Samsung. Et ça, vraiment, c'est hyper efficace, c'est cool. Tu sais que c'est hyper pratique. Moi, je m'en sers tout le temps. Hein. Perso, honnêtement, je m'en sers tout le temps. J'étais en soirée, il me restait 1% de batterie. Et bah, du coup, j'ai pu. Franchement, super. Et juste pour finir, voilà, ceux qui remportent et qui gagnent le 29 juin, ils se qualifient pour Fort Adventure voilà, à la rentrée qui sera diffusée sur S1. Un événement extraordinaire avec des activités IRL, des invités avec plein de défis. Fou. Vous allez prendre cher. Hein. Je ne l'ai pas dit encore. Moi, mais on est en train d'écrire l'émission. Activités IRL, déjà, on va moins de soucis. De contrôle. IRL, on sera là. Mais c'est Team Zary, Team Genius. Voilà, on est en train de débaucher les meilleurs joueurs mobiles Fortnite. Je pense que c'est quoi, je vais te prendre. On va se refaire. C'est évident. Tu es en train de me parler, je suis en train de recharger mon téléphone. Ce double recharge. Oh là là, incroyable. 94%. Ouais, je suis en train de recharger tranquillement mon téléphone avec un. Vas-y, ça marche super bien. En fait, tu fais ça marche. Par contre, il faut activer l'option. Alors non, il faut activer l'option. Non, mais ça marche. Donne-moi le téléphone, je te montre, si tu veux. Au pire, je le montre. Bah là, regarde, là, ça marche. On peut nous mettre une zénithale sur... Petite zénith sur Xary, vous allez voir. Vas-y, Xary, montre-le. Affiche-le. Les parties zénithales à activer. On vous montrer comme ça, on peut montrer. Ça y est, elle arrive. Regarde, hop, la zénithale. Ah oui, regarde. Elle fait 3 tours sur elle-même. Donc là, imaginons que je n'ai plus que 94%. Mais moi, j'aime bien être à 100% dans tout ce que je fais, en fait. Et non, tu peux pas, t'es au bout, il faut que t'ailles dans l'autre sens. Dans mon quotidien, j'aime être à 100%. On va y arriver, regardez, la zénithale des boules. Les parties zénithales. Ouais, tu vas y arriver, ouais. 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 La clé. Ouais. Alors sinon, moi aussi, j'ai quelque chose à faire. T'es pas loin, encore. Tu peux y aller, encore. C'est bon, regarde. Ah, juste ici. Bon, déjà... voilà, mon téléphone que je déverrouille avec le lecteur d'empreintes, hein, parce que j'ai mis mon empreinte, simplement, ouais. Hop, regarde, tac. Et là, je fais ça. Et oh, ça vibre. Alors attendez, parce que là, vous avez peut-être moins vu, mais regarde, hop. Et voilà. Alors, une petite astuce, vous le mettez en mode avion, et comme ça recharge encore plus vite. Mais je suis en mode avion. T'es en mode avion, ouais. Il a déjà tout compris. Et si on peut partir une zénithale ici, je recharge avec 3 téléphones. Alors d'ailleurs, j'ai une question, et je ça sais même quoi, pas si la réponse. Ouais, c'est ça. 10, ouais, c'est ça. Les autres. Si tu mets les 10, bah, faudrait tester. Si tu stack, en vrai, ça devrait marcher. Ça reste à 30%. Alors fais gaffe, si ça marche pas, tu vas recevoir un appel de Samsung qui fait alors non, par contre, ça c'est. Je sais pas si c'est faisable. Parce qu'en soi, faudrait activer. Ça doit être faisable. En gros, celui du dessous, cherche celui du dessus. Ah, tu veux faire comme ça? Ça doit être faisable. Tu fais une pyramide. C'est la queue leu-leu. Non, mais en deux. Après, comme ça. Attends, on essaye. Ah, mais non, c'est pas faisable, je pense, parce que. Ah, parce que c'est dos à dos. Ouais, c'est dos à dos. Ah, bah donc fin du buzz. Ouais. Voilà. Mais non, regarde. À moins que. Sacha le Mikado, le mec. Ah, voilà, regarde-moi, c'est Triforce. Incroyable. Et deux comme ça. Ouais, mais c'est un. Bon, après, là, on essaye. On abuse. On est en train d'expérimenter. Attendez, je ne sais même plus quel est le. On l'avait pas activé. Je suis perdu. T'as pas trop de galères. Il y a trop de galères. Il y a plus. Ça, c'est le mien. Du coup, en même temps, évidemment, on est en train de préparer la map pour les joueurs professionnels. En tout cas, ça marche. Attends, la preuve en est faite. Ah, mais attends, je suis assez pour démarrer la map. Bon, mais c'est normal. Vas-y, faites votre émission. Moi, je vais jouer. Dans le quart de finale, j'ai pu apercevoir un pseudo Pushway. Ah, le push, participé déjà deux fois et qui a échoué à la. Ah oui, c'est à chaque fois. En fait, il était hyper fort. Ouais. Mais à la finale.
Ça allait il a échoué. Non, mais on a cru, on croit en lui, donc ça veut dire que normalement il devrait le faire. Là, c'est la bonne. De toute façon, il a encore une chance. Il y a la semaine prochaine, encore une fois. C'est la dernière qualif la semaine prochaine avant la grande finale. Après, évidemment, il y a encore une qualif IRL qui se passe à Montpellier mercredi au Meldom de Montpellier à 17h. Et je viens à Montpellier et je dors à Montpellier. Tu dors à Montpellier. Quel hôtel? C'est ça. En fait, c'est le vieux plan. Et non, mais c'est ça que c'est bien. Du coup, ça va être bien cool. Mais surtout, encore une fois, ouais, le but, c'est pour. C'est que pour aventure, ça va être incroyable. Quoi. Pardon, bouton de saut, c'est un cauchemar. Ouais, mais c'est pour les spécialistes. Ah, c'est vrai qu'il a mal placé. C'est pour les spécialistes. C'est les spécialistes. Il a mal placé les boutons. Est-ce qu'on est prêt en termes de map? Ouais, je pense qu'on est. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer tous les joueurs d'un coup, les trois joueurs? Alors, du coup, comment ça va se passer? On va faire les quarts de finale. On va regarder. Alors, ça va dépendre en fait de leurs résultats, de leur temps. S'ils mettent trop de temps, par exemple, on va regarder un quart de finale. Comme la première semaine. Voilà. Si après, ils vont assez rapidement, on regarde deux quarts de finale. Ouais. Ensuite, on passe à la demi-finale où on regarde deux demi-finales, les deux. Et ensuite, on passe à la finale, on regarde la finale. Bon, très bien. Tout simplement. Bon, très bien. Ok. Ça va être fou. Ils passeront par quatre à chaque fois dans les maps. Ouais. Donc, ça risque de jouer des coudes. Ouais. Avec la pression, ça risque de tomber, ça risque de chuter, de mourir, surtout, de démarrer. J'ai hâte, comme à chaque fois, parce qu'on rappelle, ces mecs-là, ils ont quand même une maîtrise incroyable et de découvrir un petit peu leurs astuces. Par où ils vont passer. C'est ça. Moi, j'ai hâte de voir ça. Que nous, on s'est pris la tête 4 minutes. C'est ça. En fait, je peux passer à côté. De voir les mecs, eux, c'est des ouf. Ils jouent sur mobile comme nous, on jouerait sur. Tu vois, mais du coup, c'est bien. Comme ça, on va pouvoir vous checker après. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement, les amis, au quart de finale. C'est parti. Les quarts de finale, c'est tout de suite dans la map Escape Game. Alors, on a Tony Flo, on a Tixio, Pushway et le dernier joueur, c'est Nash Gold. La légende. Des grands joueurs. On les met franchement. On les connaît depuis très longtemps. On les suit. Pushway, on le connaît. Il a été champion de France en 2002. Ouais. Et champion de France Espoir en 99. À Montréal. Quel palmarès. Quel palmarès. Alpha Jérémy, en fait. Je m'étais trompé. Alpha Jérémy. On ne connaît pas. Il y a plein de nouveaux là. Il y a juste Pushway, il me semble, qu'on a déjà eu. Les autres, on les a jamais eu. Bah, les autres sont qualifiés. Je crois qu'on Il y en a pas. On a déjà. Alpha Jérémy, je crois, pas mal de qualifiés. Troisième sur le tournoi de jouer en Josas. On a pneus crevés. Il est chaud. De Melun sur Marne. Ouais. Alors, j'ai pas la liste de tous les qualifiés, mais je sais qu'il y a pneus crevés, par exemple. Voilà, évidemment qu'on appelle Trace. Il y a mon favori là. Comment ça s'appelle? Il y a ton favori. Mais Chase Up. Non. Neymar. Non. Mais non, ils sont pas qualifiés. C'était Pushway. Non, le premier là, qui sautait trop bien. Ah oui, putain. Non, justement, il faut gagner le BO3. Mais de toute façon, on va le retrouver. On va retrouver. On va l'avoir. Attention, c'est parti. Ça part. Ça part directement. C'est parti. Là, on est sur l'admin. Non, pas fallait pas quitter la map. Normalement, si on fait retour à l'accueil et qu'on relance, ça marche. C'est pas grave. Parce que là, du comment coup, s'appelle ils vont, mon ils vont joueur démarrer, on risque de pas les voir. Ah oui, ton s'appelle protégé. Flo quelque chose, Flotteur. Ah, c'était. Ouais. Ah oui, que t'avais. Il y a un pseudo stylé en plus. Tu as cru en lui. C'était un jeu de mots. Ouais. Flotteur. Flo non. Bleu. Flo Bleu. Il va. Florilège. Flo Sama. Oh, j'ai perdu le nom de mon joueur, imagine. Ah, mais quel coach incroyable, je crois que tu les aides là. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, il se reconnaîtra. Et il voilà, se reconnaîtra. Je suis désolé. N'hésitez pas à faire le lancer. Faut retourner dans le serveur que vous avez lancé tout à l'heure, normalement. Voilà, faites lancer. C'est pas lui. C'est ça, c'est, non, ça non, c'est... Non, c'est bon. Ah non, c'est pas lui. Au pire, rappel, rejoignez la partie d'un des participants. Sachez que tout un étage est venu se mobiliser pour nous aider à lancer ce serveur. Ne vous en faites pas. D'ici caméra. Quelques temps. Tout sera lancé. Pushway, il y a Pushway dedans. Parce qu'en fait, Team Sarit, Genus. Il y a eu un misclic. En fait, on a cliqué sur quitter la map. On va faire retour à l'accueil pour revenir dans la map. Mais les gens, de toute façon, ils ont besoin de ça pour se préparer. Voilà, après, mais là, je crois qu'ils sont en cours. Hein. Ils sont en train de participer. Au pire, on passera sur un autre quart de finale. De toute manière, on en regarde un ou deux. Donc, il en reste trois. J'étais en train de bourrer le mou des gens pour leur dire que lors de la grande finale, il faudrait venir chez nous, chez moi. Mais gros, tu perds toutes les semaines. Essayez de vendre votre team. Je perds toutes les semaines. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez vendre votre team. Vas-y, qu'est-ce que tu dirais pour faire venir des gens dans ta team? Fort Adventure, c'est déjà une famille. Moi, j'ai fait beaucoup d'épreuves physiques dans ma vie. D'accord. Je suis un amoureux de Koh Lanta. Et je pense que. Aucun lien entre les mots et les phrases. Il est dans tête. Moi, je suis du 42. Ouais, j'ai deux montres. Il est 16h23. Bah, je pense que j'ai la couleur bleue. À toi, Xari. Alors, Xari, plus je pense que ton discours a tout dit. Suffit à vouloir être chez toi. Non, c'est juste que je gagne toutes les épreuves, toutes les semaines.
Bah c'est tout. Ouais. C'est vrai que c'est gagner pas n'est pas tout. C'est juste très boss. En fait. Et ouais. La bonne humeur dans tout ça. Et la bonne humeur. La bonne humeur. La bonne humeur, la bonne humeur, famille, on l'a aussi en fait. Ouais. Aussi. Quand on gagne, on a tout le temps la bonne humeur. Non, je sais pas, je sais pas. Tout va jouer en finale. C'est comme d'habitude. Ouais, j'ai hâte de te retrouver en finale et de te détruire. T'es un bon perdant en tout cas. Dis-leur que tu payes la bouffe. Je suis très bon perdant. Tu verras. Je paye le champagne. Alors, ils sont nombreux. Quoi. Il préfère la bouffe. Ouais, il y a quand même du monde. Tu vois ce que je veux dire? Non, on va se régaler. On est en train de relancer. Mais t'as été bon, hein, tu m'as impressionné. Tu m'as impressionné. Oui, mais je me suis impressionné. Du coup, on fait quoi d'ailleurs? On dit que vous avez déjà. Vous avez déjà gagné la manga. Du coup, c'est bon, 2-0 terminé? Ou alors c'est déjà fait. Est-ce qu'on jouera pas ça? C'est terminé. Non, non, on jouera pas. Mais la semaine prochaine. Qui tout double. La semaine prochaine, on peut la faire pour 3 points. Tu sais quoi? Une règle au pif. Quitte ou deux semaine prochaine, si tu me bats, j'ai un malus à la rentrée. Oh! Genre, je me mets des poids, tu sors sur les chevilles. Le mec, il invente un truc. On trouvera un malus, mais. Au pire, t'as un malus pour Fort Adventure. Un malus pour Fort Adventure. T'auras un malus, mais pas toi, hein, parce que tu vas. Je vais juste perdre. Malus pour Fort Adventure. Ok, bon, on va il l'assume. J'ai montré tous les. C'est sûr. Ah, mais. Moi, j'ai que la régie nous ramène un contrat, un truc qui est signé. signé. Octogone. Hein. Octogone. Pour lui, c'est l'idée, parce que s'il gagne, c'est un exploit, et s'il perd, ce sera. Bah, j'avais un malus. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Ouais, mais attends, il a pas forcément le malus. Il faut qu'il perde la semaine prochaine. Skip. Alors, vu la map, on ne dit pas tout de suite. La semaine prochaine. Si, on peut le on dire. On peut l'annoncer. La prochaine, alors, ce sera une map où il y aura une première partie. Map edit. Ouais. En fait, il faudra edit des plaques, tout simplement. Et ensuite, ça continuera sur du death run. Ouais. Et ça terminera sur de l'editing. J'ai un malus. j'ai un malus à la rentrée. C'est ça sûr et certain. Mais tu vas t'entraîner. Tu vas t'entraîner. Je vais à la map en amont. Ah, merci. Okay. Eh, t'es le meilleur. On fait ça ensemble. Bon, du coup, on est en train de relancer. Ouais. Il y a plusieurs petites galères, mais c'est pas bien Car, grave. Merci rapidement. Les messages sympathiques de Neymar et Chase Up qui m'envoient. Alors. Assez souvent, on va pas se mentir, ils ont le téléphone assez facile. Genius, ça va. Ils sont là, Genius, ça va. Genius, il est quelle heure? Genius, dis-moi quelque chose. On les embrasse évidemment, c'est des frères. Chase Up et Neymar qui sont les gagnants. Qui sont des gagnants, voilà, qui sont déjà non, qualifiés Neymar pour Neymar a le... pas gagné. Neymar n'a pas gagné, Neymar? Ah non, oh. il est fini deuxième. Non, Neymar, il a raté d'une seconde. Je m'en occupe. C'est, je m'en occupe, puis je le mets dans le. C'est ton affaire. C'est pour moi. Putain, comment s'appelle mon joueur? Ça m'énerve. Mais c'est Flo quelque chose, c'est vrai. Toi, tu les connais, tes joueurs? Moi? Ouais. J'ai Neymar. J'ai mais Neymar n'est pas qualifié, gros. Mais il le sera. Il j'ai le parlé, j'ai du contact. J'ai appelé Samsung, c'est bon. Il est déjà dans Fort Adventure. Comment s'appelle mon joueur? C'est le boss. Sur le chat, ils sont. Mais j'ai pas le chat là. Quelqu'un allume le chat, ils sont. Au pire, on allume le chat, comme ça. Je vais aller sur le chat. On va pouvoir checker ça. Non, mais juste voilà. Attends, parce que moi, je peux voir la map. C'était pas Théo quelque chose? C'était un jeu de mots, mais je sais plus lequel. Il me semble que c'était qui. Je veux dire, j'étais impressionné par Maxidane, je le redis. Oui, c'est vrai, mais il a été très bon. Tu m'as rendu fier. C'est vrai qu'il a été très bon. Par contre, la semaine dernière, t'étais avec Nameless. Alors, j'affirme un petit peu. Non, Nameless m'a pas rendu fier du tout. Ah ouais pas du tout. Non, il a été bon. Qui a gagné entre Nameless et Zank? C'était Zank. C'est Fléau. Ah, Fléau. Voilà, le fameux. Ah, il est bien, Fléau. Fléau, c'est mon joueur. Day One, elle a dit Fléau. En quart de finale, je l'ai vu faire des petits sauts. Je lui ai dit, lui, il ira loin. Quart de finale, il a été puant. Demi-finale, il était puant. Finale, il a gagné. Ouais. Du coup, tu l'as pris. Bah, évidemment. Bien joué. Ouais. Comme après, du coup, tu l'as pris. Enfin, tu l'as dans ton estime pour le moment. Parce que non, mais... on doit refaire la compétition. tu veux la couronne peut-être. Voilà. Il est perdu. Désolé, mais il est déjà dans mon équipe. C'est déjà fait. Et là, à la fin, il prend pas du tout. Non, mais il l'aura. Fléau. À la fin, il sera chez toi. Tu l'auras pour toi. Non, mais désolé, mais. Dans, par exemple, à The Voice, quand il y a Mika ou alors Jennifer, tout le monde choisit Mika, donc voilà. Ouais. Hugo, toi, tu choisirais Jennifer. En vrai, moi, je prends Jennifer. Je préfère ce qu'elle fait en termes de musique que Mika. Ouais. Mika, il fait les pubs pour la SNCF. Non, mais il fait pas que ça. Et les stylos. Et les voitures. C'est quand même une plus grande carrière que Jennifer, quoi. Ah, elle est encore à la télé. Bah, lui aussi. Et alors? Du coup, ils ont la même émission, du coup, ton argument pue du cul. Mais non, j'ai dit, il a eu une plus grande carrière. Les musiciens, ils ont quand même tendance à préférer chez Mika. Ouais, je suis pas d'accord. Après, moi, je choisis Jennifer vu qu'elle est jolie. Bienvenue dans The Voice. Ça va pas trop connu, ça. Xari et Genus se sont battus sur The Voice Samsung Battles. J'ai un Nikos. Ouais, c'est Nikos qui a une grosse engine. Grosse engine, Nikos. Sur Samsung Battle. Samsung Battle qui a piqué sur le 29 juin. Fort Adventure, la grande finale. Présenté par Wallist. T'as un Nikos avec. T'as un Nikos, mais il fait des grands écarts. Est-ce que tu peux nous donner
donner peut-être une caractéristique du Samsung Galaxy S10 Plus. Alors déjà avec Nikos. Sinon c'est un Nikos. Attends, et moi je te réponds en Las Palès. Vas-y. Le truc. Tu peux me parler peut-être de la batterie du Samsung Galaxy S10 Plus ? Bien sûr, la batterie est à 4100 si tu me contredis, Zari. C'est sûr. Le Samsung, il assure. Attends, on va switcher de les gens qui n'en ont pas eu ont eu des problèmes. Des problèmes. Voilà. Attends, est-ce qu'on peut switcher de voix avec un Vincent Cassel ? Vas-y. Appelle-moi vite fait. Ouais, Vincent ? Ouais, tu sais quoi, Chicha ? Attends, je l'ai rappelé. Je t'appelle avec mon Samsung Galaxy. Vas-y, appelle-moi. Appelle Vincent. Attends. Non, c'est moi qui appelle. Dring, dring, allô. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, j'arrive. Ouais. T'as Samsung, hein. En vrai, c'est pas mal. Pas mal. Ouais, mais il sait faire que le. Ouais, je tiens. Ah, ça, c'est sûr. Allô, Samsung. Ils ont eu des problèmes. Que penses-tu des joueurs qui ne jouent pas sur Samsung Galaxy S10 Plus? Ils ont eu des problèmes. J'ai que deux phrases. Ni que de trop. Bon, ils sont prêts, Pushway. Je veux ouais, là, bah, là, tout doucement, ils sont prêts. Est-ce qu'on veut pas relancer le serveur? Ouais, mais c'est justement c'est ce qu'on vient de faire. En fait, ils ont arrêté leur quart de finale et du coup, on va relancer ça. Quoi, t'as été bon? Parce qu'il y a eu pas mal, après, pas mal de gros moments de, télé là. Ouais. Oui, là, il y a un moment qui va aller dans les best-of. Il y a d'autres qui savent imiter des voix. Non, lui, il est très fort en vrai. C'est vrai? Tu sais imiter qui? Par exemple, Florian Honner. Tu le connais, Flin? Tu connais Florian Honner? Ouais, je connais. Tu connais son rire? Ouais. Je vais essayer de te le faire. Vas-y. Ha, 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 ha. C'est vrai, voilà. C'est ça. Merci. Tu connais Régis Las Palès? Ça, c'est sûr. Mais c'est il le fait trop belle. T'as déjà joué à Crash Bandicoot? Oui, il y a longtemps. Est-ce que tu sais le bruit que ça fait quand tu ramasses des Woompas? Putain, je pourrais plus. Des pommes. Ouais, peut-être, je pourrais plus. Ouais. Désolé, la réponse. Attends, tu peux nous faire super cool. Arrête, c'est long. Oh non, ça par contre, non. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Comme quoi, tu vois, tu passes une bonne soirée. Bon, tu passes une bonne soirée. Après, Norman Genius, c'est un concours d'imitation. Alors, Norman Genius, c'est un très très bon. Tu vas pas dire généreux. Généreux, Jean-Marc. Oh, il est horrible, son généreux. Vends mon téléphone, tiens. Vous êtes le prince de la danse. Moi, je peux vous dire le Samsung Galaxy S10 Plus. Et ça, j'achète. Ah oui. Bah, il est pas mal. Ça, c'est un Canadien. Ton Nico, c'est mieux. Mon Nico, c'est mieux. Il a dit je préfère Cassel. Ouais, moi, Cassel, c'est le meilleur. Non, ton Nico, c'est pas mal. Nico, c'est bien aussi. Alors, il manque les loups derrière. Ouais. Fait les loups. Ah, les loups. On fait un petit Nico, dis toujours ça, Nico. Oui. Bienvenue, ça fait une batteuse, les loups. Voilà. Laurent Pagny, voilà. Jennifer se sont retournés pour que Zari, le royaliste. si, quelque chose. Je peux te défier sur les Woompas, tout de suite. Vas-y. Non, à chier. Non, Fabien. Ah ! Quoi ? On a le son. On a le son. Ah ! Forteresse givrée. On n'entend rien, Tom. On peut. Ah, ça, c'est pas ça. T'as le son, mais t'es tout seul. On a mis le son. C'est pas le bon son, Tom. Tu t'es trompé. Aïe. Juste, je voulais parler. On m'a souvent. Là, il l'a. On n'entend rien. Mais nous, on n'a rien du tout. Hein. On m'a posé une question à ça. Rien à voir, je reviens dans le jeu. Pour l'outil d'interface, on m'a posé des questions. Alors moi, j'ai fait ça n'importe comment. On peut régler évidemment ses touches et positionner ses touches, ses icônes, comme on le veut sur l'écran. Je l'aurais dit parce que. Alors, est-ce qu'on peut le montrer? On peut le montrer. Alors, moi, j'ai fait un travail. On peut tellement les mettre n'importe comment. Que moi, le pire, c'est que juste avant, il avait perdu une touche. Il m'a dit, c'est où qu'on saute? J'ai perdu mon jump. C'est bon? Ah, c'est bon. Là, on est parti. On est parti directement. C'est Ninja. Un streamer. C'est déjà meilleur qu'eux. Un streamer indé. Attention, on va regarder. On va regarder s'ils sont meilleurs que vous. Normalement, ils le sont. C'est des joueurs mobiles. Pourquoi il est seul? C'est les vrais joueurs. Il y a les autres. Il y a les autres à côté. Ouais, c'est les vrais joueurs. T'as vu, déjà, ils passent là. Déjà, tu vois, regarde. Ouais, mais t'as vu, ils passent là. Ils passent pas par le carré. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que là, ils ont la pression. Il y a quand même un Galaxy à gagner. Je fais un mélange. Si peut-être l'admin pouvait enlever son curseur. Voilà, merci. Merci. Deux doigts de bouillir. Là, c'est le fameux tuyau. Là, faut être tranquille. Non. Ah, ça fait mal. Ninja, aucun effort. Ça va faire mal. Après, il est sous la presse. C'est la pression. En général, il y a de la pression en quart. En demi, ils sont un peu plus. Ah, royaliste, regarde. Regarde, même nous, on a réussi. Sur le serveur. Ouais. Ils ont pas un truc à faire. T'as été bon. Là, c'est. Ils ont un truc à faire, mais là. Non. Ils paniquent. Et puis là, ça l'énerve parce qu'ils voient que c'est les tuyaux sur le bord qui le font tomber. Donc il est en mode ouais, map de merde. Et en plus, on est sur lui. Il voit l'œil en bas à gauche. Il sait qu'on est sur lui. Mais oui, ça met beaucoup plus de pression. L'œil cyclone. Tu vois, là, il a rage. Bah, en fait, il est déco. Je pense qu'il a acheté le téléphone. Il a rage. Donnez-moi S10 Plus. Ah, c'est vrai. Pour jouer à Fortnite, c'est la meilleure expérience. Un beau gameplay ici de Ninja. Il était peut-être en entraînement. Je sais pas. Non, je pense pas. Au pire, on peut switcher sur les autres. Attends, on peut switcher sur les autres. Mais est-ce que ce serait pas mieux de les suivre en humain comme ça?
En humain. Ah bah c'est compliqué parce qu'après il va devoir faire le parcours. Ah ouais. Là, faut faire, là, faut juste retourner faire à l'accueil. Retour à l'accueil, retourner à l'accueil et vous retournez dans la map. Voilà, comme ça on aura le gameplay. Ah, parce que Ninja, lui, il a crisé. On peut peut-être mettre l'autre écran du coup. Il a baisé là, son écran. Là, tu retournes dedans et normalement, on va être en spectateur directement. Allez, on en veut. Sur l'un des participants. Déjà, on a vu, hein. Plaisir. Au lieu de sauter dans le carré, il saute sur la diagonale, il court directement. C'est vrai. Allez, on est sur Pechoué. Alors, il est déjà là. Voilà, on était là. On était là. Oh, il a changé de skin, Pechoué. Donc là, on a fait ça pareil. Ouais, il est super rapide. Oui, mais c'est Pechoué. Nous, on a été là. Nous, on était ici. Oh, il l'a passé facile. Hein. Pechoué, il est là. Pechoué. Il est quand même doué. Bon, il est bon. Pechoué, il est bon. Mais ça fait combien de temps? Et en vrai, le chrono est de 12 minutes en haut à droite. C'est-à-dire que là, ça fait 53 secondes. Pechoué, c'est un frère. Pechoué, prends-le. Il est chez nous, Pechoué, c'est un frère. Ah oui, oh bien. Oh oui, faut le savoir, ça. Eh oui. C'est la petite partie Escape Game. J'ai hâte de voir les ventouses. Là, attention, faut bien passer au bon endroit. Ah oui, d'accord, ok. Quel master! Quel boss! Ah ouais, c'est alors c'est les deux premiers qui sont qualifiés. C'est pas mon niveau. Ah, il y a déjà quelqu'un devant lui. Personnes devant lui. Il y a deux personnes devant. Il faut tuer des mecs. Ouais, faut tuer des mecs. Ah, oui, d'accord. Bon, on va prendre le grappin parce que il fait vachement haut. Il va mourir. Il y a le mec qui s'est shooté. Il s'est shooté. Oui, t'es le meilleur. On l'avait dit, t'es le meilleur. Voilà. C'est bon, c'est passé. Désolé, mais on vit le truc. Il y avait un ennemi en face. Il a bugué. Non. Il déco. Elle a bugué. J'ai l'impression qu'il laguait. C'est sa connexion. Il a changé de skin. Exprès pour l'occasion. Pour cette fois gagner. Il décide d'y aller à pied. Normalement, il faut prendre une bulle. Oh, il va mieux à pied. Bah, je sais pas. Ah, il peut pas l'air. Ouais. Ah, mais c'est roller coaster. Il va sans wagon. Pas vraiment mieux. Ah oui, il le passe d'accord. Pechouette, il est boss. Au-dessus, mais je crois qu'il est malheureusement troisième. Ouais, je crois qu'il est troisième. Merde. Oh non, c'était tellement stylé. Pechouette, c'est le joueur maudit. Oh, il a une paire. On va voir combien il y a de personnes devant lui. Ah ouais. Oh là là, ah ouais, mec. Je t'avais pas menti. Hein. Et oui, il est troisième. Les deux premiers. Ils sont allés tellement vite. En vrai, ça a mis 12 minutes. Du coup, là, ça a mis 2 minutes 20. Ils ont mis 2 minutes 20 à faire la map. Wow. C'est violent. Ouais. Et ça, c'était un quart de finale royaliste. Et là, c'est un quart. Ça va super vite. C'est comme le S10+. J'ai dit, Gogo, tu ne seras pas de show. Honnêtement, ils sont énormes. Mais ça se trouve, c'était un quart de finale relevé parce que Ninja, on l'a vu, il a galéré, lui, c'est grand mort sur le début. Par contre, s'il avait pris la bulle, ça va beaucoup moins vite que ce qu'il a fait. Du coup, oui. Parce que là, il a complètement coupé avec le grappin. Parce que du coup, ça avait l'air d'être un circuit pour bulle. C'est un circuit pour bulle. Une fois que tu vas dedans, qu'est-ce qui t'empêche de dérouler avec la bulle? Ouais. Bah avec la bulle en fait t'es bloqué de chaque côté et tu peux pas t'en aller normalement, t'es vraiment bloqué dans des rails et ça t'emmène jusqu'à la fin et ça te propulse dans la case finale. D'accord. Là tu peux couper avec le truc, tu peux couper, mais ça le fait lentement. Après c'est plus dur avec le grappin parce qu'il faut switcher. Après c'est plus dur avec le grappin vu que c'est des anneaux, du coup faut bien taper dessus et faut pas se couper. Il est trop chaud. Mais Pechoué encore une fois génial, mais à la fin troisième. Il a su. Il aura une dernière chance la semaine prochaine avant de reperdre encore une fois. Après, si ça se trouve, on prendra peut-être le meilleur troisième. On ne sait pas. Si ça se trouve, il est dans les meilleurs troisièmes. Si le deuxième a un problème. Pour la demi-finale, si jamais il y a un souci. Problème. Voilà. Ouais, bien sûr. On sait jamais. Vu que c'est ce qu'on avait fait la première semaine, on avait récupéré. Il y avait un ou deux joueurs qui s'est qualifié et qui a gagné au final la partie. Et t'as vu, il a un nouveau skin, ça se trouve, la semaine prochaine, Pechoué aura un nouveau skin encore. Peut-être. Incroyable. Du coup, là, on fait quoi? On regarde un deuxième quart, Là, on a fait le premier quart de finale. Ouais. On est en train d'attendre parce qu'à chaque fois, en fait, pour lancer les maps, il faut regrouper tous les joueurs. Il faut les faire aller dans la map, il faut lancer le jeu, il faut qu'ils reviennent dans le lobby et qu'ils relancent. En fait, c'est des galères. Et en attendant, on peut pas nous se la remettre y a sur pas la map. Ou... Alors, le problème, c'est que si vous jouez, il faut qu'on relance un mode avec vous. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est le même souci. Donc, au final, vaut mieux attendre. Peut-être. Après le temps, tu peux montrer. Encore, c'est le mec. Non, en attendant, tu peux peut-être montrer l'interface. Oui, je suis en train de monter l'interface. Vas-y, bien sûr. Expliquer un petit peu comment que ça se configure, parce que c'est vrai qu'il y en a qui débutent sur mobile ou quoi. Ah oui, il y a un autre. Tom, si tu trouves une image de François Hollande et que tu l'incrustes sur le plateau, je te le fais et il vend le S10+. Tu vas voir. Par contre, il y a un truc auquel. Tu l'as ou quoi? Enfin, on a un truc qu'on n'a pas dit, c'est l'interface launcher, le game launcher qui permet de record pendant que tu es en train de jouer et surtout de couper les notifs, les appels pendant que vous êtes en train de jouer pour pouvoir faire bolos par vrai, maman. C'est bien, j'y pense pas. J'ai joué récemment à un autre jeu. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Faut pas pleurer, c'est pas grave. Mais ça m'a fait mal. On gagnera la prochaine. Non, mais un jeu de golf.
Il prend et genre, ma soeur m'appelle en plein milieu, j'ai envie de la détruire, quoi. Voilà, enfin, la détruire. De ma soeur. Elle m'a appelé, j'ai vu le gros truc en plein milieu, j'ai envie de dire, putain, je vais. Ah oui, alors que si t'as mis. Le game launcher. Si t'avais mis les notifs off. Bah, je sais. Et il y a même un mode pour rec directement ta partie sur le téléphone. Mais ça, c'est peut-être moins utile pour les joueurs lambda, mais en tout cas, le truc des notifications. Après, si tu veux sauvegarder ta partie, la partager. Évidemment, c'est bien. T'entends bien avec Zulu, toi, non? Avec Zulu? Ah, oui. Parce que vit bien de. Oui, très bien. Oui, il me lance. Dunkerque, tout ça. Je rejoins pas. Mais l'interface, en fait, la Zenith, elle est sur nous, donc c'est peut-être mieux de montrer ici, non? Tiens, tu veux le faire où je l'ai? Oui, non? Bah, tu l'as. Voilà. Comme vous le souhaitez. Alors, si on peut zoomer. Attends, salut. Il capture pas ton écran, là? Salut, on peut zoomer. Ça, je vous dis rapidement. Voilà, si on peut regarder, si on zoomer un peu plus, non? Si on capture pas mon téléphone. Bah, c'est déjà une Zenith. Attention, la caméra qui va repartir. Alors, voilà, c'est reparti. Allez, voilà, comme c'est beau. Tout est beau, tout est préparé. Les parties zénitales. Okay. Oh, un visiteur, venez d'ailleurs. Voilà. Oh, j'ai même pas besoin de. Bah non, c'est le principe des zénitales. Oui, je me suis dit, il y a du zoom, mais. Bah y a du zoom. Voilà. Hop. Alors, voilà. Défloutage. Donc voilà. Tu peux voir, par exemple, j'ai mon bouton sauté là. Essaye de le mettre dans le bon sens, Tinus. Je mets là, et après, de quoi est le bon sens? Je peux même réduire, tu vois, la taille. Des trucs. Ah, ça, c'est mais enfin. Mais d'accord, mais attends, mais ça c'est possible que sur le S10 Plus? Non, c'est sur tous les téléphones. D'accord, mais comme t'as l'écran. Tu es en train de me vendre, tu me prends pas. Non, mais comme t'as l'écran grand à 94%, tu vois quand même plus, t'as un meilleur champ de vision. Ok, d'accord. Mets-le à l'envers. Enfin, mais tourne. Ah oui, pardon. Mais non, mais. Tu sais qu'il y a maintenant dans les téléphones en 2019, tu peux juste faire ça. Moi, je suis pas passé à ça. Ouais. Je suis pas passé à ça parce que j'ai mon câble. Il est à l'ancienne. J'ai mon câble qui fait chier. Donc voilà, j'ai ça. Et toi, c'est quoi tes touches? Montre-nous, parce que toi, t'as des touches à part. Moi, je mets mon jump ici, tu vois. J'ai mon jump ici. Attends que je réduis un petit peu. Et du coup, comment tu vises? Tu vois? Bah à droite. Voilà. Je vise. En fait, je vise pas. C'est sûr. Je vise pas. J'ai pas le bouton zoom. Je me le suis pas mis parce que je me suis. Non, mais quand je dis viser, comment tu tire? Bouge la caméra, quoi. Ah, bah je la bouge là. En fait, tu peux appuyer où tu veux ici. Il a des longs doigts. Hein. En fait, il joue. Il est comme ça. Tu veux voir ma technique ou pas? Vous l'avez tout de suite. Vas-y, fais-le. Regarde. C'est voilà. Dégueulasse. Et ça n'a, c'est pas du tout une technique. Non, c'était juste pour montrer quelque chose de. Après, il y a une chose dans l'interface que tu n'as peut-être pas montré, c'est si tu veux enlever des touches, tu peux les mettre à l'extérieur. Ouais. Donc là, c'est toute la zone bleue, en fait, c'est la zone de l'écran. Voilà. Je veux celle-là, et je peux la dégager totale. On peut vraiment mettre. En fait, tu vois. Décaler, voilà. Et là, à partir de là, ça veut dire qu'elle n'est plus sur l'écran. Voilà, tu peux dégager tout ça, tu peux faire ce que tu veux. Et du coup, c'est super pratique. Comme ça, tu mets vraiment que tes touches. Voilà. Après, tu peux initialiser. C'est super, super pratique. Ouais, c'est bien. C'est bien pour pratique. Ça que les mecs ils jouent aussi bien parce qu'ils vraiment ils adaptent. Tu joues en Battle Royale, bah tu vas adapter. Tu vas mettre un mode préconfiguré Battle Royale. T'as peut-être le mode préconfiguré, oui, pour des modes spéciaux. Oui. Bien sûr. Comme ça. C'est sûr. Le mode de base sans toucher à outils interface, c'est de toute façon très bien pensé. Comme l'écran, je te dis, est assez large. T'as quand même un champ de vision assez important. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un deuxième quart de finale. Allez. Et ensuite, à la rigueur, ce qu'on fera, c'est qu'il y aura la revanche. Le temps, il y aura deux quarts de finale qui se feront en off et nous on passera directement à la demi-finale après. Ouais, okay, la revanche, ouais. Allez. La revanche. Revenge. Alors, vous avez vu un petit peu la map, vous les avez vus faire. Est-ce que vous sentez chaud pour refaire la même? Oui. Côté Genius d'abord. Oui. Parce que vous êtes meilleur pour le moment. Moi, le seul passage où ça va me poser souci, c'est quand il va falloir faut buter un mec. Ouais. Il y a un bot à tuer, là, ça va être bien. Il y en a deux. En fait, là, il y en a déjà un qui était mort. Bah, en vrai, on sait que Max et moi, on est avantagés au niveau de l'intellect et des réflexes. Autant laisser Genius et Clary faire cette deuxième revanche. Hein? Je prends le compliment avec l'intellect et les réflexes. On va pouvoir regarder ça. En tous les cas, la partie est prête. Normalement. Du coup, on va pouvoir y aller directement. Ok, let's go. Allez. Sur qui? Du coup, c'est sûr. Ok, donc là on est en mode retour à l'accueil et du coup on va pouvoir revenir pour être en mode spec. C'est dommage qu'il n'y ait pas encore sur le jeu un mode spec direct. Ouais, directement, ouais, bien sûr. Ouais, là faut revenir à chaque fois sur la map. Je rappelle, c'est pas de notre plein gré. Ah oui, non, c'est vraiment le jeu, il n'y a pas encore le mode spec. Ah bah dedans, ça c'est dans le jeu, mais en même temps. Hein. Encore on est là, on a l'habitude. Ils ont fait le mode Battle Royale. Déjà c'était plus joué que mode solo. Ouais, non, c'est vrai. Ils ont fait le mode. Faut qu'il se suicide. SNG c'est impossible, Steven. En 20 secondes il a pas pu le faire. Ils ont fait le mode créatif. Quoi? Ah, je pense que tu sais quoi, il a pop en l'air. Il y a eu un bug dans le jeu, il a du pop en l'air, il a pu aller directement. Ouais, mais j'ai joué à lui. Hein. Faut qu'il suicide. C'est parti des meilleurs. Ça compte pas. Faut relancer là. Ah, ça compte pas. Décidément. Attends, excusez, on a full bug sur la preuve. Map. Hein, bah oui, il était en parachute. Ouais, après c'est vrai que j'ai pas de preuve. Ça se trouve, il a un glitch. On l'a vu en parachute. Ouais, ah, ok. Si, il a débarqué. Il a gagné. Ouais, il a deux téléphones. Il te dit. Mais décidément. SNG Steven. Qui quitte histoire qu'on puisse voir les autres participants. Il revient, non? Ah, mais attends, le problème c'est que là, lui, du coup,
il va pouvoir la faire, la map. Et ben là, non. Ou juste, il est déçu. Là, je pense qu'il faut remake. Ah ouais, parce que là, sinon, lui, il est éliminé alors qu'il n'a même pas essayé. Quoi. Bah ouais, c'est ça. Après, non, là, il va falloir relancer. Il... Décidément, on n'a pas de chance. S'il arrivait en volant, il fallait juste qu'il aille au départ. Quoi. Il fallait pas qu'il aille. Il a voulu gruger et il s'est fait baiser. Au final. Au final, bon. Au final, est-ce qu'il mérite pas son élimination? Est-ce qu'on peut lancer peut-être sur notre pay say? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il ait voulu gruger. Bah, il te dira jamais couille. Hein. Ouais. Mais ah, attends, on a. Vitalium. Il y en a quand même. Ah, là, bah, là, j'en ai d'autres. Là, j'en ai d'autres. Bah, là, on peut voir qu'il est en 1 minute 30. Ouais. Ouais, et là, vois, là il l'a fait. Et là, on voit la bulle. On voit le chemin. C'est pas très rapide. Tu vois, ça va plus vite comme ça. Non, il est lent. À la part la fin, mais il est lent. Ah bah, il vient de chuter de. Et en plus, quand t'as ça, il vient de se bloquer. Ah bah, comment il va faire? Oh, l'énorme. Il vient de sortir du. La Cornidia. Oh, s'il y arrive, c'est bien. Oh, il joue à Worms. Ouais. Oh là là, c'est bon. Il va le faire avec le grappin. Ah, il le fait avec le grappin. Ouh. Oh, il se remet dedans. C'est ça, il est là, il va tomber dedans et là, ça va le propulser. Oh, oui. Oh, il y a des pièges, faire gaffe. Oh, non. Oh, non. Oh, oui. C'est bon, c'est passé. Oh, il a c'est passé du coup. Il mérite. Hein. Il a une choune. Il a une choune incroyable. Oh, il mérite. Hein. Alors, on a eu un bug du coup avec SNG Steven. Ouais. C'est ça qu'on a vu en jump. Du coup, je ne sais pas si on va remake ou pas. Ce que je propose, c'est qu'on les laisse faire leur quart de finale, vu qu'il y a l'air d'avoir quelques petits soucis. Et qu'on lance en attendant, voilà, on va lancer. Vous allez jouer. Et comme Il y a le dernier, là, je crois. Ouais, mais on ne sait pas si c'est le remake ou pas. Non, parce que c'était l'autre admin qui a... C'est un autre quart de finale? Ouais. Bah là, devant nous, c'est un autre quart de finale. Ok. Bon, bah, on va pouvoir aller dessus du coup. Donc là, c'est le troisième quart de finale au final. Lancement de la gueule, on va revoir depuis le début. Attends, là, il va devoir aller à l'accueil. Là, il faut retourner à l'accueil. On aurait peut-être dû dire en fait que tant que. Ah, c'est bon. Tant que le spec n'est pas là, vous ne partez pas. Les voix y vont. Bon, ça devrait être OK. Pour la semaine prochaine, on se mettra d'accord de toute manière. Allez, c'est parti. OK, let's go. Super Lélé. Le frère de Yuku. Non, mais le. Facile. Oh non, facile. Super Lélé. C'est que tu l'avais. Super Lélé qui fait pas d'effort. Hein. Moi, ça m'a fait. Merci, mon royaume. Est-ce qu'ils prennent le raccourci? Je pense qu'ils prennent tout ce raccourci là. Bah, on va check. Hein. De quel raccourci tu parles? Tiens, regarde là, il passe directement là. Nous, on va. Non, mais c'est pas un raccourci. C'est pas du tout. Il a fait la même chose, Hugo. Ah bon? Mais oui, on est juste cons. Ah bon? Allez, c'est simple là, tranquillement. Après, il est troisième là. Il y a deux mecs déjà devant lui. Ah, il y en a deux devant lui? Bah ouais. Ça va être compliqué. Voilà, là tu fonces, là, tu descends à droite, Honnêtement, voilà. Selon vous, c'est quoi, quel endroit est le plus dur? Le câble est chiant. Le moment, soit où tu tires et tu fais les ventouses, parce que tu dois. Oh, il s'est fait doubler. Ah, il vient de se faire doubler. Le moment où tu dois sauter. Oh non! Il s'est précipité. Et voilà, précipitation. Franchement, le moment où tu dois sauter et tirer, c'est avant sur le petit câble là. C'est le petit câble qui est entortillé. Avant ça, il faut que tu sautes sur cette zone là. Ouais. C'est vrai, quand tu la loupes, tu perds vraiment beaucoup de temps, c'est chiant. Ah oui, genre, tu parlais. Attends, ouais, là, okay. Tu vois, ça, tu le rates, t'es déçu. En fait, ouais, t'as juste à regarder sur ta gauche et tu sautes et c'est plus simple. Tu tombes jamais. Ouais. Ça donne les petites astuces. Tu sautes sur le côté, comme ça tu vois. Ouais, comme ça, le saut maximum, t'atterris toujours au bon endroit. Mais c'est vrai que le fait quand tu dois tirer sur les mecs, parce qu'ils tirent dessus et en plus ça les ventouse. Ça va, normalement c'est tranquille. Ça, normalement, si tu chies pas. Voilà, si tu te précipites pas, c'est bon. Oh là là. Ah ça. Oh, qu'est-ce qu'il fait? En fait, là, si tu veux, il y a des pneus en dessous. Ah oui, il faut bien les prendre parce que sinon tu tapes et tu montes. Il prend okay. Ok, du coup, là, c'est les notes musicales. Tranquille. Alors, si tu regardes celle à droite, là, qui est plus basse que les autres, c'est un piège. Tu meurs. Ouais, ça, on l'a vu. Bon, ça, on s'était dit, bon, ça, c'est un piège, mais on l'a vu. Il passe au milieu. Mais en fait, les deux sont montés à vue. Ouais, les deux sont bien. Il vient de mourir. Ah, les deux sont. Ah, c'est juste qu'il y a un deuxième. Qui lui a un TikTok. Attention, et qui termine premier. Oh, la petite danse qui fait plaisir. Qui termine premier du coup de cette section, donc il va pouvoir passer en demi-finale. On va voir le deuxième là, je crois. Ouais. On va pouvoir check le deuxième. Juste derrière. Et on peut voir au niveau du temps qu'ils mettent un petit peu plus de temps. Oh, il est intelligent, il s'est suicidé comme ça, on peut voir. Nashoba. Nashoba.fr. Nashoba.fr. Franchement, c'est toi qui fais les maps? C'est une synergie, c'est une team, si tu veux, de créateurs. Franchement, ils sont chauds. Ils sont chauds. Parce que tout a été mis pièce par pièce. En fait. Ouais, c'est vraiment. Oh là 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 là. Bah, franchement, respect, c'est trop bien. C'est trop stylé. J'imagine qu'il existe des milliers des maps comme ça. Oh là là. Ouais. Oh là là. Genre, par exemple, une map comme ça, si tu veux, en termes de temps, ça met à peu près. Alors, ils sont 4 ou 5 à la faire. Oh. Ouais. Et ils ont mis en tout une centaine d'heures. Il est deuxième, du coup, Nashoba. Centaine d'heures. Ouais. Oh. C'est hyper long. Hein. C'est pas évident. C'est comme ça, là, tu vois, ça met 2 minutes à faire la map. Ouais, mais ça met 100 ans. Au final, derrière, faut les créer, les maps. Non, mais c'est cool parce qu'elle est jolie. En plus, comme tu as dit, il y a une logique, tu vois, c'est l'intérieur d'un téléphone. Ça, c'est franchement
J'ai un truc comme ça, ouais, avec suicide Nashoba, comme ça on peut voir les prochains. Nashoba qui est deuxième. Nashoba doit être qualifié pour demi-finale. Killua et Nashoba, c'est les deux qualifiés. Le lama explosif, incroyable. Le magnifique lama. Alors, ouais, faudrait qu'on leur colle à la rigueur qu'ils se suicident dès qu'ils finissent. Comme ça, au moins, on voit les autres. Voilà, c'est bien dit. On voit les suivants. Alors, il n'y a pas de lama. On va dire ça aux jeunes qui nous regardent. Juste un petit hashtag do what you can. Franchement, je. Le fait pas ça. Un petit hashtag, ça fait plaisir. Il n'y a pas de lama à gagner. Le hashtag do what you can. Ouais, mais c'est bien de le mettre. Qui veut dire Bah, réalise la possible. C'est bien. Bien joué. Ah, bravo, il a pas traduit littéral. Bien. Bravo. Bah oui. Il s'était fait avoir la première semaine. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu ne peux pas un multilinguiste. Multilinguiste. Il est bon. Du coup, on a fini la troisième quart de finale. Ce que je propose, c'est qu'on passe à la revanche. Allez. Oui. Mais après, qu'est-ce qu'il y a à jouer, du coup, si jamais il y a déjà 2-0 pour le beau jeu. L'honneur. Pour le beau jeu. Bah, on fait jouer nos poulains. Hugo et Max. Alors, bah après, 100%. Tout à l'heure, c'était Hugo qui jouait. C'était Hugo. C'est moi qui ai joué. Non, mais on s'en fiche. On joue pour l'honneur. On fait comment on veut. Vas-y, fais le. Alors, regarde, on va faire ça. Du coup, là, on va les faire la revanche. Comme ça, on finit les quarts de finale. Et après, on passera directement à la demi-finale. Ce sera plus simple. Il n'y a pas de problème. Je laisse juste. Du coup, on fait quoi? Il faut qu'on rejoigne. Là, rejoignez-vous tous. Moi, j'y suis là. Comme ça, on lance un serveur tous ensemble. Tu te chauffes bien. Et on peut pas faire chacun sur notre téléphone, ce serait cool aussi. Vous voulez le faire à 4? Vous pouvez le faire à 4, je pense. Vous avez tous le jeu? Ouais, c'est bon. Ok. Bah, la rigueur, on peut à 4. Après, mon téléphone, donc tu prends ça. Peut être cool. Est-ce que vous êtes tous en amis les uns avec les autres, par contre? Moi, j'ai les uns avec les autres. Il faut qu'il y ait une personne en commun avec vous tous. Ouais. Et normalement. Bah, écoute, on va voir. Je sais pas, mais on va tester. En tout cas, moi, je suis déjà à fond là. Comme ça, vous faites une course. J'ai très envie de réussir à finir cette map. Les uns. Et je vais y arriver, en fait, parce que. Je détestais. Il faut rejoindre. Alors là, normalement, il va falloir rejoindre. Tony Flo. Tony Flo, ouais. Tony Flo, du coup. Je suis avec lui, c'est bon. Ok, impeccable. Et du coup. Donc là, c'est chacun pour soi. Au final. Ça me vénère encore plus parce que. Attends, parce que moi, du coup, faut que Parce qu'au final. Il est déjà sur le fil. Hein. Il est déjà sur le fil. J'y arrive vraiment bien, quoi. Tu arrives bien? Ah, t'es en train de t'entraîner là? Ah ouais, je suis chaud. Oh là, il va falloir que tu quittes, comme ça tu l'es. Oui, tu ça va. J'ai envie de voir un petit peu ça. En fait, il m'a lancé sur la map, donc je croyais que j'étais au bon endroit. Ouais, je vais où, dis-moi. Qui te fait quitter le serveur? Quitter le mode créatif. Ouais, quitter le mode créatif. Voilà. Fais-nous quitter le mode. Ok, vas-y. Et là, tu joues. Let's go. Allez, let's go. Tony, excusez-moi, j'étais à fond. Qu'est-ce qu'il gagne, tiens, le gagnant? Bah, rien. Petit challenge entre vous, non? Bah, le S10 Plus de Xai. Allez. On en a pas en plus, là? Bah, comme c'est. Bah, je sais pas. En occupe là. On gagne juste cela, en fait. On veut tous se barrer avec le téléphone. Ils sont verrouillés, ceux-là. Mais là, en fait, c'est bien. Sont verrouillés. C'est signé. Il y a l'antivol. Il y a l'antivol, c'est la fac. Et merci, Samsung. Ils sont là, bien sûr. Alors, attends, je vais pas faire de bêtises et je vais pas faire perdre de temps. Donc, dites-moi où je vais. Tu vas dans le mode créatif, tu appuies. D'accord, j'y suis. Tu vas en haut à gauche. Non, va en haut. Ok, donc là, c'est bon. Ok, j'y suis. En haut à gauche. Ami, ouais. Tony Flo, tu peux j'y suis. Rejoins le groupe. Vous en faites pas. Toi, tu joues pas du coup? Tu joues pas? J'ai envie de coacher. T'as envie de coacher? Ok, tu coaches. Non, tu sais quoi? Non, je vais prendre son téléphone. C'est bon, j'y suis. Tu te gardes pour la semaine prochaine? Non, t'es pas avec Tony. Ouais. Je suis avec toi là, Xai. Je te vois pas. Non, mais c'est parce que je m'appelle le royaliste. Je te vois pas. On te voit pas. Bah, j'ai mis prêt. Ils t'ont invité normalement? Ouais, j'ai Xari et. Bah, c'est bon alors. Angers, donc c'est bon. Vas-y, mets-toi prêt. Bon, mettez-vous prêt normalement. Je suis complètement à deal. Je recheck quand même. Je t'appelle. C'est le royaliste ou le royaliste créa? Créa, ok. Donc ils vont inviter le bon. Tu vas être bon. Je suis complètement ok, là. C'est bon. Voilà. Donc là, mettez-vous prêt. Je suis complètement là. On va pouvoir lancer la map. Tu nous rejoins? Faut mettre prêt. Bah, Tonio. C'est quoi finalement, ouais? Ah, tu join? Vas-y, allez, Osef. I join. Allez, on join. Attends, non, c'est bon, j'arrive. Allez, alors d'ailleurs, si vous êtes bloqué et qu'il y en a qui sont beaucoup plus loin que vous, suicidez-vous, comme ça nous on a le gameplay. Ouais, comme ça on voit le. Bien sûr. Mais enfin, jamais on se suicide. Regardez l'antenne. Si jamais vous êtes bloqué au début, tu vois, ça sert à rien. On garde l'antenne maximum, c'est Royal, on est bien. Exactement. On est bien. Ok, donc là on T'as les pronos pour ce soir, Royal, là, de ce que t'as vu là, c'est. De ce que j'ai vu, pour moi, Pechway se qualifie. Pechway, c'est plus fort. Ouais, Pechway, c'est plus fort. Le premier quart de finale qu'on a vu, c'est ceux qui ont fait les meilleurs temps au final. Ouais, c'est ça. Donc après, il y aura un quart qu'on ne verra pas. Ouais. Mais pour moi, Pechway. Mais Pechway, ça fait. Il a fini 3ème. Ah oui. Ah, mais non, Pechway, il a fini. Mais oui, il y avait deux personnes. Ah non, c'est semaine prochaine. Mais parce qu'il a été déjà très bon. S'il faisait le deuxième quart de finale qu'on avait vu, il se qualifiait, quoi. Ouais, d'accord, ça marche pas, non? Faut qu'on relance, non? C'est semaine prochaine qui sera très bon. Attends, je crois que c'est bon. Parce qu'il y en a un qui a joint. Je crois que c'est bon. Mettez-vous prêt, ouais.
Semaine prochaine, il se qualifiera. Ce qu'on rappelle aujourd'hui, c'est l'avant-dernière journée des qualifs, enfin, soirée des qualifs. Semaine prochaine dernière, avant de se qualifier pour la grande finale, le 29 juin, je rappelle, ça va être absolument fou. Voilà. Et le 29 juin, évidemment, si on gagne, c'est où? Le 29 juin, les deux meilleurs joueurs mobiles. Ouais. Du coup, alors on a déjà qualifié des joueurs qui étaient vraiment limite professionnels du jeu sur mobile. Et du coup, les deux meilleurs se qualifieront pour For Adventure, l'émission qui sera diffusée sur ES1. Et en fait, il y aura pas mal de défis, etc. Voilà, il y aura la Team Zari, Team Genius, et il y aura des défis RL. À chaque fois, le perdant se fait éliminer, machin. Exactement. Et à la fin, il n'en reste qu'un. Oh là là, c'est fou. Ça va être pas mal. Et bon, toujours pas de nom dévoilé. On dévoile pas. On garde la surprise. Ah, je sens que t'as du gratin. Faut garder la surprise. Je sens que t'as réussi à avoir du gratin. Ok, donc là, on est en train de lancer le serveur. Il faut attendre que la faille s'ouvre. Ouais, la faille, dès que la faille est là, voilà. Vous pouvez aller dedans. Ok, c'est parti. On va pouvoir passer sur le gameplay. On peut y aller là. Du coup, faut faire lancer la partie. D'accord. Lancer le jeu, c'est bon. Let's go. C'est parti. Attention. Ah, je suis en train de tomber. Retour à l'accueil et retourner dans la faille. C'est la petite manip pour pouvoir être en mode spectateur sur le jeu. Ok, c'est bon. On est en mode spec. Sur qui est-ce qu'on va être? J'ai l'impression qu'on est sur Maxilda. Non, on est sur Xari. Ouais, c'est moi, ouais. Attention. Donc toi, tu m'as dit que t'avais tout compris. C'était bon, c'était facile. C'est juste validé pour moi, en fait. Ah, hein, je suis introduit. Attends. Non. Ah oui, mais tu vas être en mode spec, tu vas pas pouvoir jouer. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Mais il m'empêche de sauter. Mais tu me gênes, en fait. Bah, c'est toi qui me gênes. Voilà. Putain. Oh, c'est pas grave. T'es le meilleur. Ok, du coup, Xari qui gère plutôt bien. Est-ce que tu vas l'avoir? Tout à l'heure, tu faisais que de tomber ici. Oh là là, c'est beau, bien joué. C'est toi le premier pour le moment? Merde. J'ai fait une sacrée connerie là. Xari éternue pour voir? La tchoum. Voilà, excellent. Sur la faut bien. Faire attention. T'es un petit peu trop sur la droite, ouais. Faut pas tomber. Ça va être le plus. J'ai qui est premier? Xari sur le fil, hein. Tel un fil, un funambule. Incroyable, Xari ici. Et oh là là. C'est moi, mais gros, tu m'as sauté. En fait, je savais pas, je pensais que le tuyau était. Mais il avance pas aussi. Ouais. Non, moi aussi, je croyais que le truc était là en fait, il fallait avancer plus. J'ai perdu un endroit nul. Guy, il est bon. Vous êtes tombé là? Je suis tombé comme un con. Moi, je suis bien parce que du coup, je suis devant. Le tuyau, en fait, il est pas si grand. Non, je suis en stress là, du coup. Mais le stress, après, c'est gagné après. Il est bien, Max, En attendant, on vous rappelle qu'on est en train de faire. Suscite-toi, Xari, au final. Xari, suscite-toi. Allez, c'est bon, la première partie, c'est validé, c'est facile ce jeu. C'est bon, tu l'as validé? Ouais, c'est bon. Oh là là. Je vais pas me suicider, gros. Hop. Si jamais tu tombes. Si je tombe. Voilà. C'est bon, checkpoint, c'est validé. Pour le moment, on vit ce moment avec toi. En fait, je viens juste de décider de la suite de ma carrière, quoi. En fait, t'es le meilleur de tous. C'est ça. Non, mais je suis con après. J'avoue que je pensais qu'il fallait pas aller jusqu'au bout. Ouais, il fallait jusqu'au bout. Non. Ensuite, ici, là, tu peux tomber sur le tuyau. Prends bien le coin, tu vas pas avoir de l'espace en plus. Là, t'as le tuyau qui est juste au-dessus de toi. Fais attention, hein, parce que là, ça, c'est traître. J'ai passé par là. Ouais. Ok. Oh, attention à pas glisser. Je peux pas aller droit, là. Ça. Ok. Non, faut aller droit, ça me semble pas long. Ouais, ok, droite, nickel, impeccable. Là, il y a des pneus à prendre. Faut bien les prendre. Et là, ok, c'est passé. Ouais, là, derrière toi. Tac, long, sur la gauche, il y a le checkpoint. Le premier checkpoint, et là, t'es aux notes musicales. Ok, moi, je suis bien, là. Je suis en train de faire le... Sont de prendre le tour à gauche. Putain, je suis désolé. T'en es où toi, Maxilan? Moi, je suis assez loin. Ah, il est bien. Ah ouais? T'as déjà passé les notes? Il est pratiquement après les notes. Quasiment fini. Il y a Xari qui est juste derrière toi. Non, je suis sauté trop loin. Il vient de tomber. J'ai sauté trop loin. On passe sur. C'est bon. Où ensuite quand t'es. C'est bon, il a passé les notes. Hein. Là, on est sur Hugo du coup. Ah, le problème, c'est que du coup, là, je vais arriver au truc où il faut que je tue un mec et là, c'est pas bien. Non, mais tuer un mec, c'est facile. Mais j'ai pas d'arme. Si, t'as une arme là-bas. Là-bas, quand t'arrives, t'as une arme. Quand t'arrives, t'auras une arme. Ça, les bails, c'est dans celui-là ou pas? Ils se suivent. Ah non, c'est plus loin. Xari et Hugo qui sont collés. Ouais, bien sûr. Oh non! Aïe, aïe, aïe. Et là, faut sauter. Et du coup, ah bah, on est sur Maxildan. Yes. On te voit jouer. Okay, c'est bon, et là, faut y aller. Ouais, là, on va suivre toute la fin avec toi. Normalement, il y a. Oh, il est incroyable, Maxildan. Ouais. Il est incroyable. J'ai des doigts tellement gros que je mets toujours le menu. Portable. En fait, un problème, c'est qu'il faut savoir. Il regardait à droite, lui. Il regardait à droite, et après, tu. Voilà, c'est à gauche. Non, non, c'est derrière. Ouais, en fait, c'est par là. C'est par là? Mais il faisait comme ça, ouais. Attention. Ouais, mais du coup, comment il est où? C'est peut-être pas là, c'est peut-être de l'autre côté. Non, c'était ça, hein, de ce qu'il avait vu. Hein.
Attention, là. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, c'est là. Ah, tu l'as. Là, t'es bon. Tu l'as. T'as l'escalier. Attention, là, faut prendre l'arme. C'est rétroactif, la victoire. C'est rétroactif. Voilà, là, t'as l'arme. Voilà, ok, elle est prise. Prends l'arme. Tu vises. Et là, tu tires. Vas-y, tu. Oui. Voilà. Le deuxième. T'en as un sur ta gauche après. À gauche. Juste ici. Oui. Là, oh, ah, il vient de se faire tuer. Il y a Xari qui est juste derrière. Je sais pas où il faut aller. Le problème, c'est que lui, c'est Genius. Oh, ouais, tu es Xari. Toi, tu gères bien ça. Oui, alors. C'est bon, tu l'as, Xari. Dès que j'arrive, je me fais là. Xari, éloigne-toi des rebords et regarde vers le bas. Voilà, en fait, tu regardes vers le bas et tu t'éloignes des rebords. Comme ça. Voilà, là, pas mal. Et là, t'avances. Voilà, et là, t'avances. Voilà. Le checkpoint qui est pris pour Xari, attention. Attends, mais tu vas à la pêche. Mais j'avais une arme. Oh, il y va à la fourchette. J'avais une arme. Il y va. Il y va à la fourchette. Il a faim. Gros, il y va à la faim. Mec, il y va au pistolet, gros. Ah oui, elle est l'alarme. Ouais. Ah, il y va au couvert, il s'en bat les couilles. Le problème, c'est que j'ai pas le grappin. Et oui. Et là, en fait, c'est le but de l'escape game. Il faut chercher le grappin. Tu vois. Mais il y a des mecs qui me tirent dessus, là. Il faut trouver le grappin. Parce que eux, on n'a pas pu voir comment ils ont fait pour les déverrouiller les grappins. Faut les trouver. Ah, mais je me fais tirer dessus par le meuble qui repop. Le bot qui repop. Merde. Ah, Xari qui a trouvé les grappins. Oh, Xari, fais-moi honneur. Attention, il va pouvoir monter. Je sais plus où c'est. C'est. Non, c'est derrière. C'est en haut. Ouais, c'est au-dessus. Là. C'est pas haut. Hein? Là. Attends, mais il y a un mec qui me tire dessus, je vais mourir là. Non, c'est bon, Max l'a tué. Vas-y, grimpe. Là, voilà, exactement là. J'ai le grappin. Mais il est pas caché du tout. Mais c'est moi qui l'ai trouvé. Ah, merci, mec. T'es mort. Ah oui, d'accord. C'est de l'autre côté. En fait, il y avait un coffre caché. Non. Oh putain. Oh là là, Xari. Il y a des dégâts de chute. Il y a des dégâts de chute. Non, il n'y a pas. Ah, il y a pas de dégâts de chute. Ah non, si on mettait des dégâts de chute là. Des dégâts de chute, ce serait incroyable. C'était la fin. Je sais pas où faut aller. Oh la Maxi Dan, il est à côté. Ils sont tous les deux. Chacun son grappin, sa ventouse. Ah, mais vous donnez des coups de grappin. Ouais, ils se mettent des. Ils me font genre de tirer dessus par le putain de bot. Ah non, c'est le bot, ouais, c'est le bot. J'allais dire, des coups de grappin, ça s'enlève pas. Ça s'enlève pas, les coups de grappin. Ah. Attention, ça prend la bulle du côté de Xari. La bulle hamster, attention. Ah, ça enchaîne directement. Normalement, t'avais des propulseurs, mais c'est pas grave. La hamster bulle, attention, Amsterdam. Là, c'est incroyable. Il est complètement fou. Non, ah, j'ai plus de bulle. J'ai plus de bulle, je voulais coincer ma bulle. C'est bien joué, attention. Xari, il est le premier. Il est dans le tuyau. Hugo, toi, t'en es où? J'essaie de trouver là où il faut aller ensuite. J'ai fini les pistes musicales. Ok. Et là, je ne sais plus où il faut aller. Ah oui, il y a un petit passage à trouver. C'est validé. Vas-y, fonce. Xari, il a bientôt fini. Il est où? Il est dans la bulle déjà. Il est devant toi. Comment on fait pour prendre la bulle? C'est bon, je suis dans. Comment on fait la bulle là? Ah, s'il vous plaît. Putain. Et c'est la victoire. Oh, t'es allé trop loin. Oh putain, elle est incroyable. Vas-y, elle est trop loin. J'ai gagné, je suis passé par-dessus. Ah, il a bugué le jeu. Mais attends, comment je peux aller? Il est sorti de la map. Il a bugué le jeu. Mais gros, je suis allé trop loin. Putain, attends. Ah, ça, tu peux grimper? Non, je suis allé trop loin. Ah mince. Attends, mais c'est. T'as gagné. La map est full bug, tu sais. Va dans l'eau, Xari, va dans l'eau un peu. Voilà, la mauvaise foi. Non, mais en vrai, t'as vu la projection? En vrai, il va falloir que tu donnes un petit coup de rapin, mais après, c'était pas. Ah, c'est bon, j'y suis. Ah, tu peux? Non, je peux pas. J'essaye, mais je suis trop loin. Par contre, je suis vraiment allé beaucoup trop loin sur la map. Vas-y, ça t'a propulsé à une vitesse. Vas-y, suicide-toi comme ça. La texture de l'eau est bien faite. On check, donc là, on est sur Hugo. Vas-y, avance. Ouais. Encore. Attends, tu veux dire que là, si on avait été tout à fait honnête, j'aurais fini premier, c'est ça que t'es en train de me dire? Bah, pas vraiment, parce que juste la map a bugué, quoi. Saute là? Ouais, je crois. Ouais, c'est après, okay. Je crois que c'est là. Et bah, c'est validé. Non, de l'autre côté, ouais. Ah, je suis content parce que du coup, je vais quand même réussir à finir cette map et en vrai, c'est une fierté. Voilà, tu vois, il y a un petit. Et en vrai, des maps Escape Game, il y en a plein sur le jeu. Et là, regarde, sympa. Si t'as jamais testé de map Escape Game, vas-y, on va. J'ai à deux doigts de mourir. J'ai 4 HP, j'ai 4 HP. J'ai 4 HP, mais je suis où? Je suis sur le podium. Ok. Je suis sur le podium. Bien joué. Du coup, Xari premier, Maxildan deuxième. On a quand même réussi en pas tant de temps que ça, quoi. Et oui, là, honnêtement, ça va. Ouais, c'était propre. Hein. Deuxième essai, c'était très très bien. Je suis si fier de moi, t'imagines même pas. Gros, mais moi-même, j'étais à fond. Tu me choques, je trouve ça. Tu me prends l'arme. Est-ce que tu n'aurais pas ton allié pour Fort Adventure là? Maxidan. C'est validé. C'est beau. J'ai eu peur, j'ai cru que t'allais faire tomber le téléphone, j'étais là. T'inquiète, je connais Samsung, il y en a d'autres. D'accord. Il y en a d'autres. Non, franchement, c'est top. Encore une fois, ça me super en tout cas. Mais ça montre que quand t'as jamais joué. Encore une fois, parce que il y en a qui disent ça, ouais, parce que c'est l'émission. Je pense que la dernière fois que j'ai joué à Fortnite sur mobile, c'était vraiment il y a 9 mois. Là, on peut voir qu'en deux parties, tu t'es déjà habitué, maintenant t'as un petit peu. Et j'ai bien réglé, j'ai mis des biens. Non, puis c'est fluide et tout, ça va. Ça tombe en 60. Hugo, il est en train de se faire full tuer. Alors, du coup, est-ce que les quarts de finale sont terminés? On en est où, les quarts de finale? Ah, si, après, si vous avez vraiment besoin de quelqu'un pour remplacer en finale, je pense que Maxidan. Tu l'as fait en combien de temps d'ailleurs?
J'ai pas 8 minutes. Ah non, mais non, c'est l'heure. Il restait 8h48. Il restait 4 minutes 35, un truc comme ça. Donc, quand toi, tu l'as fini ? Non, quand lui, il a fini. Quand toi, tu l'as fini ? Bah, 30 secondes avant, je pense, c'est un truc dans le genre. Ok. Ouais. Ah, ça va, ça fait 7 minutes. Maxidane est bien, parce que toi, t'as encore le S8, toi. C'est honnête. Faudrait que tu remplaces un peu. Écoute, on va regarder. On réfléchit. J'aime bien d'ailleurs les. En vrai, sur. Je sais pas si j'en vois. Ça, c'est le mien. C'est pas ceux du truc. Tu sais, sur ce modèle-là, si je ne dis pas de bêtises. Ah, bah évidemment, le meilleur fond d'écran, évidemment, qui ne vous montrera pas du tout. Mais vous savez, il y a des petits yeux ici pour la caméra. La faciale. Il y a un fond d'écran qui s'adapte avec le. Et voilà, et du coup, ils ont fait plein de fonds d'écran. Qui s'adaptent à cette petite particularité et qui font que ces caméras s'intègrent dans le fond d'écran et du coup c'est stylé. Vas-y, tu veux retourner ton téléphone ensuite. T'as un fond d'écran spécial toi pour ça ? Non, pas du tout, je vais faire les deux côtés. Simplement les deux côtés. Alors que Hugo est en train de se faire tuer toujours par le bot. Hugo il se régale avec le bot. Qu'est-ce incroyable hein, ce speedrunner. Je prends ça. Ouais. Speedrunner. Est-ce qu'on peut voir Hugo où c'est il en quoi, est c'est ça, non, malheureusement, on ne pourra pas venir. On est en train de lancer, on prépare pour les demi-finales. C'est en plus. On va rappeler quand même rapidement pour ceux qui viennent de nous rejoindre que ce soir, bon là c'est les demi et que les deux qualifiés de ce soir remporteront deux téléphones Samsung Galaxy S10 Plus. Exact. Donc, et puis la chance de qualifier pour la grande finale le 29 juin, ça, ça va être beau aussi. La grande finale le 29 juin, ça va être fou. Et surtout, les deux qui se qualifient le 29 juin, ils ont la chance de participer à Fort Adventure. À la rentrée, ça, oh là 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 ! Fort Adventure, on s'excuse, hein, il y a eu pas mal de bugs sur tous les quarts de finale. Il y a eu des bugs de map, enfin d'île aussi. Vu que l'île, en fait, quand tu quittes la partie, du coup, ça te fait perdre du temps. Ils ont déjà démarré, etc. Tout le monde fait de son mieux, d'accord ? C'est juste le jeu, il y a des trucs à amener dans le jeu, mais c'est pas de notre faute à nous. Non, bien sûr. C'est... Ah, je suis pas mort. Après, voilà, on est content de mon tracé. Du coup, là, on va passer aux demi-finales et j'ai une petite exclue qui va te faire plaisir. Oh, là, tu me fais plaisir, Royal. En demi-finale, qu'est-ce qu'on a, à ton avis ? En demi ? J'ai vu un c'est une info. Eh ben, comment il s'appelle, Pechoué ? Mais non. Il y a Pechoué qui a été rattrapé. Ah, mais non ! Ça, c'est déjà une info. Alors. Ça, c'est déjà une info. Et il y a Neymar. Il est là, Néné. Oh, ma Néné. Parce que Neymar, faut raconter la petite histoire. À la base, c'était pas Neymar. À la base, non, comment il s'appelait ? C'était un pseudo. Alors, pourri, attention, je m'excuse. Non, pas du tout. Genre Z, machin, tu sais, truc. Ouais, c'était imprononçable. Il s'appelait comment ? Je sais plus comment il s'appelait. Imprononçable. C'était imprononçable. Imprononçable, du coup, appelle-toi Neymar. Et le mec, il s'est appelé Neymar. Il s'est Le mec s'est rename Neymar avec plein de R. En fait, il a testé tous les Neymar possibles. Il a rajouté un R à chaque fois. Bien. Non, mais c'est beau. Du coup, Néné. Bien joué. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement pour la première demi-finale. Allez. C'est parti. Pour démarrer, ils sont pas au courant, mais ils savent que quand ils finissent, il Pechoué, il faut qu'il trace. Hein, là, je sais pas ce qu'il branle. Ah, il y a Pechoué qui attendait. Ah non, c'est lancer le jeu. Lancer le jeu, c'est normal. Oh, on a eu peur. Ok, c'est bon, ça passe. Ok, vas-y. Donc là, on va faire le fameux retourner à l'accueil. On revient pour pouvoir voir le mode spec. Et c'est parti. Directement. Et oui, le retour à l'accueil. Première demi-finale. Allez, les gars. Pechoué ou Neymar pour toi ? Neymar, c'est un frère. Et là, il me DM 8 jours et je l'embrasse. Mais Pechoué, c'est vrai que je mériterais. On a Pechoué, il est déjà devancé par quelqu'un. Il est en train de sauter sur le cap. Ça va être compliqué là. On continue. Oh, c'est réussi. Il va falloir y aller doucement. On reste accroupi pour continuer tranquillement sur ce cap. Oh, il va tellement vite. Avec les double H en face, c'est très très sûr de soi. En vrai, il suffit de très sûr de soi. Là, je vais être trop tôt quoi, tout à l'heure. Le saut, c'est pas one shot. Il passe devant. Allez, Pechoué. C'est ton moment. Ne sois pas le genre maudit. Les notes de musique maintenant. Pechoué, ah oui, la mi, la gère. Do, ré, mi, fa, dièse. Fa, sol, mi, fa, la, si, méca. Si. Là, il faut pas se mettre trop, faire attention parce que. Oh, double saut. Très joli, il s'en bat les couilles. Il est beaucoup trop fort pour lui. C'est... Même lui-même ne sait pas comment il est. Je pense qu'il ne s'amuse même pas. Oui, il fait un contre-fléau. Joli. Easy. Et là, attention, il va regarder le sol. Parce que nous, on a galéré. Il regarde le sol. Attention, est-ce qu'il va le faire du premier coup ? Il faut avancer, là. Oui, du premier coup. C'est là. Gère bien le truc. Hein. Mais ce jeu est simple. Allez, hop. Le truc, regarde, le bug ne tire même pas dessus, c'est triché. Bah, il sait que c'est Pechoué, il est tombé, gros. Là, je pense que... Oh là là. Voilà. Il a un auto-aim. Il lui a enlevé 12 points de vie, le bot, ça va. Le truc, c'est absolument pas caché. Ok. Voilà. Ah, faut taper ils étaient là. Ah, il se fait toucher quand même. Ils étaient là, il se fait toucher. Enfin, attention. C'est pas très grave. Oh là là, Neymar. Oh là là, Pechoué. Il va le tenter. Tu vois, comme quoi, le quart de finale.
Il a fait le troisième, il s'est fait repêcher. Ouais, et là, au final, il est premier. Eh gros, il va battre record là, non? Il va pas battre record. Et au final, ils le font tous comme ça. Je sais pas. Attends, il est méga chaud là. Par contre, s'il le rate là, il va s'en vouloir un peu. Là, je pense qu'à la boule, il était déjà dans les premiers. C'est vrai. Là, faut surtout pas le rater. Est-ce que c'est le seul à le faire comme ça? Je sais pas, mais. Ça m'étonnerait quand même. Je pense pas, ouais. J'ai pas l'impression que ça va plus vite. On fera ça en vrai. C'est vrai, si ça va plus vite, ça va plus vite. On fera ça en vrai. Non! Oh non! Oh non! Encore une fois, Neymar en dessous. Et Neymar qui est parti en bulle en dessous et il va essayer de remonter. Oh, Pechoué. C'est ce que j'avais dit, il fallait pas la tenter. Techniquement, il a trigger le feu d'artifice, donc il a gagné Neymar. Non, le feu d'artifice, non, faut rentrer dedans. Faut rentrer dedans. On passait par-dessus à la rigueur. Ouais. C'est terrible. Il peut y arriver. Mec, j'ai envie de pleurer. Pechoué, c'est un film. Le mec, c'est un film. Ouais, je suis désolé, il était premier, il a pris un risque inutile. Oh, Neymar va y arriver. Neymar il va y arriver. Neymar. Il gère ça. Oh, attention. Allez, Neymar. Et Neymar qui y arrive. Bravo. La victoire pour Neymar. Les DM ont eu raison de lui. Tu vois. Je suis pas. Il faut qu'il suicide pour qu'on voit la fin. Suicide-toi, Neymar. Suicide-toi, voilà. Nashoba, mets-toi très bien. Ça, c'est la première demi-finale, on est d'accord? Là, c'est la première demi-finale. Ouais. Donc, on a Neymar qualifié. Nashoba, et c'est Nashoba. Gros Pechoué. Attends, mais Nashoba, il avait gagné tout à l'heure. Il avait gagné la quart de finale. Le quart de finale tout à l'heure. Ah, Pechoué. Vous arrivez, je sais que dire sur Pechoué, chaque semaine, on va être déçu. Il se qualifie en finale. Nashoba, Neymar, en finale. Que dire sur Pechoué? Et en plus, regarde, c'est que là, il revient et du coup, il a plus de grappin, donc il peut plus faire la strat. Si, il a 6 grappins, mais. Ah oh là là, c'est triste. Tu veux pas le prendre en coach? Rends-toi dans sa ville, il habite où? Va le voir. Je sais pas. Va lui. Ah, il va pouvoir se requalifier une autre fois ou pas? Coup de pain. Il lui reste une semaine pour se qualifier. La semaine prochaine, samedi prochain. Là, franchement, s'il se repère. Non, il fallait prendre la boule. Il fallait. Oui. À chaque fois, on dit la semaine prochaine. En vrai, il y a une stratégie qui consiste. Il y a deux boules. Il y a deux boules. Il y a deux boules. Il y avait une stratégie qui peut consister en tu prends la boule et tu la lâches. Et comme ça, on n'a plus qu'une, t'en prends une et comme ça, on n'a plus. Oh, et là, il va y arriver. C'est bâtard, c'est pas très fair play ça. Non, mais c'est bien. Il n'y a pas de fair play, le but c'est de gagner. C'est pas cool. Et voilà, et là, il y a. Ah si, on s'en fout, mais comment ça, c'est pas courbé. Et la troisième place pour Pechoué. Ah, malheureusement, c'est un peu trop tard. C'était Pechoué aussi qui s'était fait avoir à Lame. Allez, mais oui, il avait perdu aussi. Mais il a jamais de chance. Pechoué, il menait, il saute sur le buzzer, et en fait, il glisse. Non, et il le loupe, le buzzer, et du coup. C'est qui? C'est Neymar, ça. C'était Neymar? Bon, parce qu'il y en a. Pechoué, il avait raté le ventilo. Ah oui, il avait raté le ventilo, c'est ça. Alors, non, mais tous les cas, il faut avoir à chaque fois. Putain, alors qu'il est devant, il est devant. J'aurais presque donné mon. C'était pas. C'est radin. J'aurais donné mon téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Tu lui files le téléphone. Je sais pas pourquoi, mais en vrai, je vais donner mon S9. Je te donne mon S9, mais franchement. Il faudrait quand même qu'il vienne à la finale, Pechoué. Ah, il vient, il est invité. Attends, il a encore un. Ah, oui, il lui reste une semaine de qualification. Ouais, mais s'il n'est pas qualifié, ça, c'est le bien. Dites plus, c'est mon perso. Du coup, pour la finale, première demi-finale. Les gars, première demi-finale terminée. Ouais, ça rentre, hein. Qualifié Neymar et Nashoba, ça a été correct. La course était bonne. Nashoba.fr. Nashoba. La course, vous en avez pensé quoi? Incroyable. Non, c'était stylé. Il faut juste faire attention à ne pas. Vous êtes devant, ne prenez pas de risques. Prenez des risques quand vous êtes derrière. En gros, Pechoué, il n'était pas sur un petit record s'il prenait la boule. Franchement, tu penses qu'il aurait dû prendre la boule? Non, mais il est arrivé tellement en retard, Neymar. On l'a vu, il a galéré ses grands morts avec la boule et tout. Ouais, il avait gagné 10 fois s'il prenait juste la boule. Pechoué, il a fait. En fait, tu pouvais pas faire plus rapide que lui. T'as vu comment il faisait? Bon, après, on va pas l'accabler, il doit déjà s'en vouloir pas mal. Je pense qu'il est dégoûté. Chaque samedi, tu l'entends crier chez lui. Chaque samedi, gros. À la même heure. À la même heure. Les mecs, ils se disent. Il y a un mec chez nous, dans l'immeuble, à chaque samedi, même heure, il gueule, tu vois. Il y a un téléphone qui vole. Il y a un téléphone qui vole, il y a quelque chose, on sait pas ce que c'est. Toutes les semaines, il rachète un téléphone. Ah là, Pechoué. Tu sais quoi, Pechoué, rajoute-moi sur Twitter. Viens me parler. On va discuter, ensemble. Après Neymar. Abonne-toi, abonnez-vous tous, on va discuter tous ensemble sur Twitter. Parce que franchement, j'ai envie qu'on dialogue là. Tu vas vite regretter. Non, mais c'est des fers. Alors je suis en inverse, contre Hugo ici pour la. Sur la map. Maintenant, tu commences à la. Mais vous êtes en train de tryhard la map là? Je suis en train de la speedrun. Ah, mais ils font que ça maintenant. Je suis en train de la. Tu vois, ça rend addict, hein. Parce qu'à chaque fois, ils sont là, ils jouent une première fois, ils disent ouais. Et après, ils jouent, et tryhardent le jeu maintenant. J'ai même refait chez moi la manette. Tu sais, le death run au début, avec les. Je l'ai refait chez moi. Je dis c'est pas possible. Et t'as réussi? Bah, évidemment. Mais je l'aurais fait si. Non, mais franchement. Après, la manette, c'est cheaté parce que la difficulté du truc, c'est de réussir sur le tactile. Ah non, mais après, j'avais refait en tactile. Parce qu'à la manette, j'ai fait une main, quoi. Non, mais bien sûr. Mais après, c'est que même là, sur mobile, t'es accro. T'as envie de le refaire et plus tu joues, plus tu maîtrises. Oui. À une main, j'ai envie d'essayer.
Avec le joystick comme ça, et il faut sauter comme ça. Ou alors non, tu peux, il faut que tu mettes le saut sur une gauche. Ah, en fait, tu parles à une main sur le téléphone. Franchement, le faire à une main, c'est faisable. Fais une main sur le téléphone. C'est chaud, mais c'est jouable. Après, je pense que les petites bordures qu'il faut longer, c'est ça le plus dur. Faut pas bégayer avec le joystick. Ouais, non, mais c'est faisable. Ça va, hein. C'est faisable, ouais, c'est faisable. Parce que t'as pas vraiment besoin de regarder dans la bonne direction. Peut-être donc, tuer, c'est super faire le kill. Ouais, faire le kill, t'as besoin d'une joystick quand même. Franchement, c'est jouable. Ouais, c'est jouable. C'est jouable. Tu te mets dans le bon angle, puis après, tu te déplaces en latéral. Ouais, tu tires. J'avoue. Du coup, on va passer à la deuxième demi-finale. Ils sont tous présents. Ils sont chauds. Allez. C'est bon, c'est parti. Deuxième demi-finale. Let's go. On va se mettre en mode spectateur. Ouvrez votre inventaire pour accéder au nouveau système. Est-ce qu'il y a des personnes qu'on connaît qui sont déjà venues les autres semaines? On va découvrir de ça là, tout de suite. On va dire ça. Sur qui est-ce qu'on va être? C'est ça qu'on commence à avoir une Voltix, est-ce qu'on le connaît? Non, on ne connaît pas. Hein. Ça ne me dit rien du tout. Non, c'est un nouveau, on va voir s'il est bon. Anonyme. Okay. Allez, poussez-vous, frappez-vous. Ah, il y a quelqu'un qui s'est mis en anonyme, carrément. Ouais. Anonyme. Il dit, je veux pas quand. Ça se trouve, ouais, mais il est ça se trouve, ah, c'est pneu crevé. C'est pneu crevé. Il s'est dit, je veux un deuxième. C'est peut-être peu chouette. Hein. C'est peu chouette. Il va se faire envoyer à un autre adresse. Oh non, oh, les épaules, les gars. Ça stresse là. On dirait Genius. J'accepte. Je viens de finir la map en 2 minutes. Non. C'est vrai? Non. T'as vu, c'est stressant. Bah non. C'est stressant. Ah, mais il va aller tellement vite. Il va aller trop vite. Bah oui, mais on est en trop vite, ils vont trop lentement. Ouais, mais les autres, ils vont trop vite aussi. Là, moi, j'ai déjà fini la map. C'est envie d'aller vite parce que les autres vont vite. C'est déjà qu'il a fini une fois, il en peut plus. À l'envers, j'aurais fait à l'envers. Attention, je vais pas tomber trop tôt. Voilà, ok. Il a failli faire une Xay. Là, il peut doubler l'adversaire. Oui, ça passe. Il veut jouer. Oh oui, très très beau. Il enchaîne bien. Oh, ce strafe jump, incroyable. Je sens qu'il va faire mal. Il a bien enchaîné. Est-ce qu'il va faire le double jump? Ouais, le double. Il est anonyme, mais il est chaud. Il s'arrête pas en plus. Et il garde vers le bas. Ça, c'est la technique. De... Parce que pour sauter bien au dernier moment. Ah, il va directement là. Ah non, t'étais pas obligé. Ça. Ouais, mais c'est pas grave. Il est patate doux. Il est chaud. Il regarde vers le bas, du coup, il sait exactement où elles sont situées. C'est mieux pour sauter. C'est la technique des professionnels. Bien sûr. Évidemment. Validé par tout le monde. Ça, c'est validé. Là, on est vers la carte mère. Il y a un mec devant lui du coup. Ouais, mais s'il est deuxième, ça suffit. Voilà. En fait, c'est droit devant, il n'y a pas de piège. Okay. Droit devant, l'arme, le mini use. Le use. Ah, il passe à gauche. Ouais, parce qu'en fait, l'autre va tuer le mec. Ah, c'est pas bête. Eh. Il tue le bombe, mais il va repop. Mais il le tue pour lui, donc c'est chiant. Ouais. Il va repop en plus, il risque de se prendre des balles. Regarde. Ouais, mais c'est pas grave. Attends, mais ça a déjà été ouvert, c'est-à-dire qu'ils sont déjà deux. Ah, lui, il fera pas la technique de. Oh, il va tellement vite là. Il a utilisé la boule. En deux coups, gros. J'avoue, il est énervé. Alors là, moi, j'ai galéré, frère. Ah, okay. Il y a un bumper là. Hop là. Ah, il y a un bumper ici. Ah ouais. Bah, flipper, hein. On le faisait pas, les gars. Si, ça, c'était marqué. Ouais, mais bon, si les mecs connaissent le jeu aussi. Ah, c'est marqué tape quand même. Et tu vois, lui, il décide d'utiliser la bulle. Ouais. Mais oui, ça va beaucoup. Mais mec, ça va carrément plus vite. Je suis pas convaincu, hein. Bon. Faudrait chronométrer. Franchement, ça va vraiment vite. Attends, ça va bien plus vite que l'autre qui se galérait. Ouais, mais il y a plus de style avec l'autre. Mais bon, le style apparemment ça fait pas gagner. Ah, ça fait pas. Et attention. Oh, gros, il est deuxième. Ça passe, il est deuxième. Ils ont baisé le jeu. Nos finalistes, alors je sais pas qui est la deuxième personne. Le premier, c'est pas Tony. Alors, non. L'anonyme. Bon, concrètement, c'est une map qui dure 2:30. Quoi. Ouais, au final, ils la font assez vite. Ouais. Ils la font en 2:30. C'est Voltix en anonyme. Voltix, on l'a déjà vu. Son acolyte anonyme. C'est pas lui, apparemment. Nous dit. C'est pas lui? Non, c'est pas Voltix. Okay, bah pas Voltix. Désolé, Voltix, si t'es troisième. Ok, bah on va vous trouver le pseudo. Toute manière, ça va être la grande finale. Pour la finale, on va demander ce qui se met pas. Le level là. Ouais, là, il y a du bon niveau. Le grappin en deux coups. Et là, ça va être stressant parce que pour la finale, ils sont tous bons, très bons. Du coup, c'est pour ça qu'il va falloir aller très vite. Donc il y en a qui vont se planter parce que avec la pression, faut aller vite. Tu sais que t'es 4 en finale. Il y a 2 téléphones à gagner. Ouais. C'est terrible. Donc là, ils ont sur 2, gros, c'est énorme. Ouais, c'est vrai. En vrai, quand t'arrives en finale, t'es quand même de stats, t'es content. Bien, t'es content. Mais c'est pas des chances sur deux, il faut juste être meilleur. Ouais, il faut être meilleur. Non, mais oui, d'accord. Mais c'est comme si tu me disais, Christophe Lemaître a une chance sur 8 en finale du 100 mètres de battre Usain Bolt. Non. Et il a zéro chance, et c'est juste qu'ils sont 8. Mais... Ah, je me disais, où est-ce que tu es avec ce exemple de Christophe Lemaître? C'est vrai. Christophe Lemaître, c'est très fort, mais c'est pas le meilleur du monde. Du coup, surtout côté du Usain Bolt. Il est moins dopé, quoi. Usain Bolt n'est pas dopé. C'est vrai, jamais? Il n'y a jamais eu d'histoire, rien sur le jeu. Non, il piche jamais. Mais gros, on le saurait. On le saurait. Bah alors là, gros, je suis pas sûr. Est-ce que Nadal est dopé? La question. Hop. Respectez un peu les sportifs, s'il vous plaît. Ah, mais après, c'est compliqué. Tu sais, des fois, ils prennent des trucs qui sont autorisés, mais qui. Ah oui, non, mais ça, c'est pas du dopage. Eh ben voilà, qu'est-ce qu'est le dopage? Dis-toi que moi, avant, je faisais du foot à assez haut niveau. Et mais non. On avait rien. Oh là là, Eloy Yannis! Applaudissements, réaliste! Champion!
Ça marque direct. Nikos, royaliste, un footballeur. Et en fait, on n'a pas de ballon, Et en fait, un truc tout bête, c'est qu'on avait par exemple un produit pour le nez, pour mieux respirer, et au final, c'était considéré comme produit dopant, alors que c'était juste des gouttes pour le nez, quoi. Donc tu vois, genre, tu peux couper avec rien maintenant. Sûr, t'es un mélange entre Darcheville et Vérel. Tu joues à quel poste? Tu évolues en 10, milieu offensif. Oh là là, tu marques 10 buts. Les passes décisives, elles sont là, messieurs, elles sont juste là. Zidane, ils me font rougir. Willy Sagnol. Willy Sagnol. Malouda. Royaliste. Tout la lente. T'imagines, un mec de foot et t'as que des pseudos. C'est les mecs, t'as plus leur nom. Royaliste. Des blazes. Ils mettent le blaze qu'ils veulent. Royaliste, Passaxari. En vrai, il y a des foot qui se font... Bah oui, FIFA s'appelle. Oui, non mais en IRL, en live. Ouais, à chaque fois je demande à être invité, on m'invite. C'est vrai. On fera une équipe ensemble, tu sais quoi. Oh, tu me fais plaisir. Les coupes. Non, ça là, Hugo, tu es toujours sur la map. J'étais à l'époque. Je pense qu'il doit pas être mauvais. Il a la carrière du footballeur. Et non, il a une carrière de tennisman surtout. Ouais, j'avoue. Même de golfeur. Et trois. Et trois d'ailleurs. Aussi. En même temps, je jongle. Je suis comme ça, gros. Hop là-bas. On est en train de créer la finale. Est-ce que tu as le gagnant de. T'es pas allé dans une ville aujourd'hui, la semaine dernière, ou je sais pas quand? On a été dans une ville, on n'a pas la vidéo malheureusement cette semaine, exceptionnellement, parce qu'il y a eu pas mal de montage à faire. Tu voyages? Il y a un petit peu de temps. Ouais, il va dans chaque ville pour toutes chercher les champions. En fait, je suis dans une autre ville, la première ville, c'était Paris. C'est qui le pseudo du gagnant, là? Tu l'as? Le pseudo du gagnant, c'était un très bon gagnant. Tu sais plus qui c'est. Je ne sais plus. Il n'est plus le pseudo. Mais il était fort. Et il m'a dit qu'il allait tryhard le jeu comme personne pour la finale. Et est-ce qu'il a omis une petite préférence au niveau de l'équipe ou... Au niveau de l'équipe? Bah moi, il m'a dit qu'il aimait bien les gagnants. Donc je pense qu'il est plus fort. Mais Xari, tu es sûr de ça? Est-ce que tu penses qu'il est plus fort que Fléau? Non, pas pour le moment, mais il va s'entraîner. Il va s'entraîner pour, il va s'entraîner dur, et il sera là. Et celui de la semaine dernière, où t'étais où ? La semaine dernière, c'était à Rennes. À Rennes, c'est ça. Et ouais. Le mec était chaud. Hein. Il était vraiment bon. En fait, il est venu parce que c'était un joueur semi-professionnel. Voilà, c'était un semi-pro, ça. Et en fait, il rivalise avec des mecs sur PC et tout. Donc le mec, il est vraiment chaud. Ouais, et du coup, il est venu pour faire passer un message comme quoi on est là. Les joueurs mobiles, on est là. De toute façon, donc je pense qu'on le reverra. Juste soyez les meilleurs et vous serez dans mon équipe. Oui. On reverra la finale, il y aura des très bons joueurs à la finale. Ah ouais. Il faut savoir la finale qui est quand d'ailleurs ? Qui est le 29 juin. Qui est le 29 juin. Si vous voulez du défi, voilà, vous venez dans cette équipe-là et comme ça, non, mais je crois vous allez pouvoir faire un peu de défi, le tapé de Xari. Tu peux participer juste à une émission de télévision. Bon, les finalistes sont là, sont sur le terrain. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la finale. C'est parti. On m'informe dans l'oreillette qu'il y avait un petit retardataire qui vient d'arriver sur la map. Alors, du coup, alors que l'admin est en train de construire. On a l'admin. Super solide. Il vient de rager, il a éclaté le téléphone. Ouais, il a éclaté là. Il n'y a pas une seule fissure. Il va bien. Il est bien, il est bien. Et sinon, moi j'avais une question. Ouais. Les téléphones, vous y jouez là depuis tout à l'heure, mais ils chauffent ou pas du coup? Absolument zéro. Non? Zéro, zéro. Je sais, on en parlait des premières émissions. Ils chauffent. Mais très raisonnablement comparé à l'utilisation qu'on en fait. Après, ce qu'il faut savoir, c'est pas un frigo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va chauffer au début, par exemple, un petit peu. Exactement. Et après, il y a un processeur qui se met en route dedans pour le refroidir. Qui le refroidit. Normalement, plus tu joues longtemps, plus il se refroidit vers la fin. Mais il chauffe beaucoup moins que mon téléphone. On me dit dans l'oreillette qu'il peut même faire des glaçons à un certain moment. Non, mais c'est sérieux, parce que pendant 3 heures, on joue les mercredis. Là, ça va. Et je te jure qu'au bout de 3 heures, il chauffe. Je suis d'accord que ce serait mensonger de dire qu'il est froid, mais il est à peine chaud. Ouais, mais ce qu'il dit, c'est que si tu joues encore une heure, il va refroidir. Il y a un processeur qui franchement, c'est impressionnant. Ah ouais. C'est vrai. Ça détecte. On est dans la finale. Qui vont être les deux gagnants des Samsung Galaxy S10 Plus? Réponse d'ici quelques minutes. Bon, allez. Qui va gagner? Attention. Qui va rejoindre l'équipe de Xari d'ici 2 minutes? Moi, je mise sur Noshiba. C'est Noshiba qui s'appelle? Noshiba qui a fait une bonne perte. On est sur Neymar. Je mise sur le gars là, côté Neymar. Oh, Neymar. Neymar, il est devant. Non, celui qui était deuxième là. Il avait l'air chaud. Il a fait quelques erreurs. Allez Neymar, Neymar, premier. Le Parisien, le joueur accusé récemment. Ouais, il va être là. C'est bon. Non, j'arrête. Je sais pas continuer. Neymar. Allez, à droite.
Là, il faut faire des multisauts, là. Il est dessus. C'est lui le premier pour le moment ? Oui. Oui. Oh, mais Marie, il est suivi. Ah, hein. Il a la traque. Là, il y a la pression. Chaque jour, il me dit. On est en finale et on se bat quand même pour un Samsung Galaxy S10. Là, si tu te loupes, tu perds un Samsung Galaxy S10. Il faut enchaîner les soirées. Il n'y a pas de la pression. Je pense qu'il a coupé le live. On a discuté ensemble toutes ces soirées. Tu m'as dit que tu étais un winner à gagner. C'est pour toi, Neymar. Double saut, là. Non, non, mais c'est pas grave. Il est premier, de toute façon. C'est-à-dire qu'il bloque les autres. Neymar, vas-y. Ouais, mais il peut pas être en avantage s'il se rate sur le gunfight juste après. Ah oui. Non, non, mais il va passer à gauche tel un intelligent. Tel un intelligent. Ah, tout de suite, tu regardes le sol. Attends, ah, c'est énervant, ça. Hein. Ouais, mais après, en fait, le truc, c'est que tant qu'il est dans le tuyau, les autres peuvent pas passer. Yes. Donc, voilà, ça passe. Directement. Ok, c'est lui qui doit faire voilà. Les kills du coup. À gauche, Neymar. Chaud, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il préfère comme il est chaud sa mère, il chaud sa mère. Je pense qu'il l'assure là. Il se fait même pas toucher, il se fait même pas toucher. Ouais, mais il va se faire toucher là, juste à la fin là. Bah, qu'il se retourne, il se retourne pour tirer. Mais il s'en fout, de toute façon, il me suis fait toucher. C'est bon. À le quelques coffre. Mètres d'un téléphone, attention. Attends, on va voir, où est-ce qu'il a, il met son grappin. Voilà. Il place bien. Oh, sécurité. J'ai l'impression qu'il joue. Non, il galère là. Il est moins rapide. Il a perdu du temps. Il est moins rapide que Noshiba, j'ai l'impression, mais il est quand même premier, donc du coup, c'est. Il save trat. Et tu vois, il a pas pris le bumper derrière. Ouais, mais c'est pas grave parce qu'il pourra pas se faire attraper par une autre boule. Il peut pas se faire doubler dans la boule là. Bah non, parce que. Attends, mais si l'autre arrive avec les grappins. Ouais. Ah, avec les grappins, oui. Ah, là, il c'est vrai. Safe, hein, parce qu'il pourrait utiliser plus les grappins voilà. Pour. Il suffit d'être deuxième. T'imagines, il y a quelqu'un qui passe en grappin à côté. Ouais, grave, avec la boule. Il le double. Il arrive, il dépasse le truc. Ouais, mais il suffit d'être deuxième. Donc là, il est très bien. Il pourra pas se faire battre. En fait, il a pas besoin d'être premier, c'est ça. T'es deuxième, t'as déjà un téléphone. Et là, il est très bien. Là, c'est téléphone validé. Là. Neymar tout seul. Mais il y avait une bulle. Il y avait une autre bulle. Oh, il y a le deuxième à côté. Excellent. C'est Neymar et qui ? On a les deux premiers. Putain, ils sont arrivés en même temps, gros. Neymar, ils sont arrivés. Neymar, tu peux regarder à côté, s'il te plaît ? Ils l'ont fait en combien de temps ? Ils l'ont fait en 2 minutes 10 à peu près. Alors là, ils étaient très chauds, hein, les deux. Ouais, ah, mec, j'ai même pas vu l'autre. Il est arrivé quand ? En plus, il nous fait cette magnifique danse. Mais non, il n'y a pas de boule, c'est le Neymar. Tu sais quoi, j'envoie un texto. En fait, le deuxième avait une bulle. Ah, bah c'est Noshiba. Nashoba. C'est Nashoba. C'est Nashoba le deuxième. Voilà, donc prenez des feux qui commencent par un N, ça vous favorise évidemment sur Fortnite. Et Nashoba, il a pris la bulle, il est passé du côté, et en fait, après, le piège a tué sa bulle et il est monté. J'aurais même pu lui envoyer un Twitter pendant sa partie. Pour le faire perdre. On te regarde. Vas-y, t'es le boss. Tu lui dis, bah tu vois, si t'as vu le Game Center. Le Game Center, t'auras une notif désactivée. Non, attends, il me répond en direct, Neymar. C'est vrai ? Il t'a dit quoi ? Merci. Voilà, c'est un artiste. Il commence à en avoir marre de toi même. J'insiste un peu trop. Après, Neymar, plutôt fort, mais il a dû attendre 3 semaines avant de se qualifier. Alors que mon joueur Fléau s'est qualifié dès la première. Ouais, mais bon, à la fin. Et du coup, là, qu'est-ce qui se passe ? Qui choisit qui ? Non, là pour l'instant on choisit pas. Du coup, pour t'expliquer un petit peu, là on a les deux qualifiés, donc Nashoba et Neymar. Ils se qualifient les deux pour le 29, la grande finale qui se passera ici à Paris. Et à l'occasion de cette finale-là, les deux meilleurs cette fois-ci, en plus du téléphone, ils se qualifieront. Parce qu'ils gagnent deux téléphones. Et c'est parmi ces deux-là qu'on devra choisir nous. Voilà. Voilà. Vous choisirez parmi ces deux-là lors d'un petit défi, lors de la finale. Pour avoir votre prétendant. Bon, en tous les cas, vous en avez pensé quoi de ces maps, Max et Dan, par exemple ? Très très sympa, non ? Ouais. Vraiment, il y a une thématique, ça bug pas, ou si peu. Ah bah, il y a eu des petits bugs, mais, bon, c'est aussi le créatif. C'est de la collision, machin, voilà, c'est comme ça dans tous les jeux créatifs, il n'y a pas de souci. Non, très sympa, plutôt maniable, comme on dit, ça chauffe pas tant que ça. Donc c'est vrai que cool. vous n'avez jamais trop joué sur mobile, sur Fortnite du moins. T'as bien vu, je me suis pas forcé pour avoir envie de refaire la map, enfin, je me suis vraiment amusé, J'ai vu qu'Hugo aussi a tryhard le jeu, donc j'ai super énervé, j'ai pas fini. Je pense qu'il va tryhard après les speedrunner dans l'âme ici et déçu. Là. Mais... bon, Xary, Genius, un plaisir, franchement. Classique, je gagne, il perd. Ouais, parce mais à la fin, on verra qui est debout. C'est vrai qu'il y a le ça vaudra 3 points la semaine prochaine, du coup. Hein. On verra. Ça va se négocier. Mais oui, ou alors on fait 2 points et on fait. Non, mais c'est une map édite, donc vas-y. Ok. Moi, c'est ça. Oh, il est sûr de lui. Moi, c'est Fort Adventure que j'attends. Tout va se mais jouer. Mais c'est Fort Adventure, gros. On m'appelle le guépard. Le guépard. S'il y a une épreuve où tu dois courir. Ouais, je suis désolé, mais t'as perdu. Pourquoi ? Xary, t'es un multi-champion de course ici. Après, c'est Fort Adventure, on est dans un studio, on va pas courir, hein, gros. Multi-champion de cross. Il est médaillé. Où ça ? JO2 ?
Pékin. J'aime bien. Pékin. JO de Dijon. JO de Dijon. 2032. 2032. Non, 2008. Non, mais c'est vrai que c'est un plaisir à chaque fois. Et comme je le dis, on ne fait pas du Fortnite top 1. Il faut rappeler aux gens qu'on fait vraiment des maps pour délirer, s'éclater. Ouais, c'est Team Zarya, Team Genius. Voilà, on est là pour délirer avant tout. S'éclater, mais bon. Ah, c'est toujours quand on gagne, quoi. Voilà, ouais, c'est toujours. C'est toujours. On est là pour le beau jeu. On est là pour le beau jeu. On le voit de plus en plus du côté de Xari. Pour le moment, du moins. Parce que la semaine prochaine, tu vas te rattraper, j'en suis sûr. En tous les cas, merci beaucoup. Et bravo à toi. D'avoir regardé cette émission. Ce fut très sympa. On se retrouve dès mercredi, du coup je viens à Montpellier, comme on l'a dit. Oh, Montpellier. Ah là Montpellier, là, 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 à 17h au Meldon de Montpellier. Belle ville. Et ensuite, ça se fera aussi online, encore une fois, samedi prochain sur le stream. On sera dernière là, présent journée des qualifs, dernière soirée pour des la dernière journée, voilà. Pour la map. Pouvoir se qualifier justement. Exactement. Le 29. Merci à tous d'avoir regardé cette émission, merci à vous tous d'avoir participé. Un plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine, du coup, ici sur le stream. Salut. Ciao tout le monde. Au revoir.